Dans quelques instants, c'est quoi qui dit? Une émission en direct, présentée par Adrien D. Au programme, distribution Linux, administration, tutoriel, logiciel libre et astuces. Tous les premiers mercredis du mois, en direct, à 20h.
Eh bien, salut à tous, ici Adrien, hop là, on bascule sur, ah voilà, hop, le temps que tout arrive, yeah, c'est bon, nous sommes là, regardez, on n'est pas bien, il manque même le petit, voilà. Eh ben, je vous souhaite la bienvenue à bord du train C'est quoi qui dit numéro 68. 68, ça fait 68 fois que nous sommes en live sur YouTube. Eh oui, alors j'espère que vous m'entendez bien parce que normalement le son marche toujours aussi bien, hein, ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Hop, je vais juste mettre mes petites bricoles comme je l'entends. Voilà, voilà, et voilà. Tac, tac. Ok. Bon, on va laisser le temps que chacun arrive et s'installe confortablement. Et en attendant, je vais souhaiter la bienvenue à toutes celles et ceux qui sont arrivés depuis le début de cette petite introduction, à savoir... Alors oui, si par contre, si je tourne l'écran, ça va tourner la cam. Hop, ouais, bon, c'est pas grave. Donc, je souhaite la bienvenue à Enruption. Enruption. Atelier Vie Connectée, Augustin qui est là, Choupe, Diablo, Dominique, Franck, HT, Shongani. Voilà, ça se dit comme ça. Jean Rêve, Laurent, LDV First, Ludovic, Mister Slayers, Neo 29, Rémi, Réfractaire Brick, Sam Sword, Sleipnir, Thierry, Victor, Vincent. Hop, et je reviens sur la liste des connectés pour essayer de n'oublier personne. Qui a causé quand le chat revient sur mon écran? Yeah. Donc, j'ai oublié qui? J'ai oublié peut-être Claude Alain, j'ai oublié Majid aussi qui arrive entre-temps. Bon, alors vous le savez, comme d'habitude, on va juste baisser un peu le son de la musique que j'ai dans le casque, là. Voilà, Choupe 23, je t'ai oublié. Salut The Scorpio! Alors, salut Nico qui arrive également. Alors, ce qu'on va faire, en fait, pour la petite anecdote, le temps que les gens arrivent tranquillement, hein, on va commencer au bout d'un petit quart d'heure, comme d'habitude. On va parler, donc, vous l'avez vu dans le titre, d'Open Media Vault. Alors, je ne sais pas si on dit Open Media Vault, Open Media Vo, Open... Donc, je vais aller juste sur le site d'Open Media Vault. Open Media Vault. Salut à Gab. Pour la petite anecdote, je voulais vous faire une vidéo sur Open Media Vault. Et la qualité de la caméra est vraiment nulle, là. Je me suis dit que je savais pas comment vous faire la vidéo. Ah voilà, c'est un mieux. Et donc, vu que je sais pas comment vous présenter, comme je sais pas comment vous présenter le sous forme de vidéo Open Media Vault, je me suis dit, on va faire un C'est quoi qui dit consacré à cette distribution. Alors, c'est une distribution Linux dans le sens où, comme d'habitude, on l'entend, distribution Linux, c'est le noyau Linux, plus un système d'initialisation, plus un truc pour démarrer, plus des outils qui sont installés, plus éventuellement un environnement de bureau. Donc là, il n'y a pas d'environnement de bureau, mais c'est une distribution Linux en tant que telle, en tant que définition, mais qui ne sera pas pour un usage serveur ou un usage poste de travail. C'est un usage bien spécifique, et cet usage spécifique, comme on le voit ici, qui est nommé sur le site, que je vais vous grossir un peu, voilà. Open Media Vault est une distribution Linux qui vous permet de l'installer sur un ordinateur et de transformer celui-ci comme un NAS. Donc, si vous faites de la récup, ça peut être intéressant. Plutôt que d'acheter un NAS, vous avez récupéré un vieil ordi ou autre, tout ça. Vous voulez vous faire un petit NAS maison, ou vous avez éventuellement un petit Proxmox à la maison, vous avez mutualisé des machines virtuelles, tout, puis vous dites, bah tiens, j'aimerais un NAS à la maison, mais sans acheter du matériel, et ben, vous pouvez l'installer aussi sur une machine virtuelle et profiter d'un NAS à la maison à moindre coût, puisque c'est une distribution Linux qui est gratuite. Vous pouvez l'utiliser sans payer quoi que ce soit auprès des éditeurs, ceux qui ont élaboré la distribution. Voilà. Je n'ai pas fait la même chose avec TrueNAS, qui est une autre solution.
J'avais, il y a quelques mois, je dirais même presque un peu plus d'un an, regardé un petit peu OpenMedia, Vautrunas, NAS, tout ça. Et je sais plus pourquoi, ça fait tellement longtemps, je m'étais mis de côté OpenMedia. Je me suis dit, tiens, faudra que je fasse une vidéo sur le sujet. La vidéo, elle n'est jamais venue. Et donc, bah, on se fait un petit live et on va découvrir ensemble, puisque j'ai dû l'installer juste une fois pour voir un peu, comparer. Je me rappelle plus trop ce qu'il y a dedans. Donc, on va voir tout ça ensemble. On va voir les fonctionnalités et puis on va voir ensemble un petit peu bah, à quoi ça ressemble. Et puis celles et ceux qui se disent, bah tiens, ah ouais, je connaissais, j'aurais bien voulu tester, bah, vous allez pouvoir avoir un aperçu. Et je salue David qui est arrivé. Et le fait de voir David arriver, ça me fait penser qu'il faut que je mette le téléphone en silencieux, même si ça n'a strictement rien à voir. Salut, mange de pelle. Donc, on va voir ensemble OpenMediaVo. Salut Eric. Alors, bien sûr, j'ai pas d'ordinateur à disposition. Ça va être compliqué pour faire un live. Donc, on va installer ça sur une machine virtuelle. Donc, on va créer une petite VM. On va créer une petite VM. Alors, sur cette VM, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais aller lui trouver un numéro qui va bien, dispo. Je vais regarder sur quel stockage mettre ça aussi. On va l'appeler 907 et je vais la mettre sur local LVM2, reste de la place. Ouais. Allez hop, 907, c'est parti, mon kiki. Donc 907, sur le temps qu'on crée la machine virtuelle, ça laisse à chacun, chaque retardataire d'arriver entre-temps. Donc, ok. Ah bah, puis en plus, il y en a qui ont déjà installé OpenMediaVo. Ça peut être une occasion aussi de partager vos expériences là-dessus. Alors, je vais l'appeler OpenMediaVo. Tac. Donc, j'ai récupéré l'image ISO. OpenMediaVo. Donc 6024. Je l'avais récupéré donc il y a un an, c'était l'image d'avril 2022. Je suis allé sur le site et j'ai vu qu'il n'y avait pas de nouvelle image ISO. Hein, si on va sur le site là, vous faites download. On arrive ici sur l'ISO. Ça c'est marqué en bas de l'écran. Vous voyez peut-être 6024. Si je vous fais copier l'adresse du lien. Toc, voilà. Donc on voit c'est la version 6024. Et il n'y a rien de nouveau. Hein. Donc on va voir aussi comment on fait les mises à jour de ce truc-là, parce que ça se met à jour. Voilà. L'image ISO, elle date du 26 avril 2022. Je pense que c'est à ce moment-là que j'ai dû regarder un peu à quoi ressemblait OpenMediaVo. Donc, tac, ici, je vais installer ça ou en BIOS, on s'en fout. Hop. Alors au niveau des disques. Au niveau des disques, je sais pas ce qu'on va, je me rappelle plus ce qu'on va avoir besoin. Donc, dans le doute, je vais mettre deux disques de 250 gigas et on va voir si ça nous permet de faire du RAID. Je me rappelle plus. Donc, je vais mettre deux disques. Tac. Add. Donc, je vais mettre deux disques de 250. Je sais plus ce qu'on peut faire. Voilà. Write back. Ok. Au niveau du CPU. Je vais mettre quad-core, ça devrait suffire largement. Mémoire, je vais lui mettre 4096, 4 Go, ça suffit. Et on va mettre ça sur le LAN. Je ne vais pas mettre de carte son, j'ai pas besoin de mettre d'accélération vidéo, puisque tout va se piloter depuis le navigateur web. Alors attends, par contre, il y a YouTube qui met une pop-up là derrière. Pourquoi ne pas insérer des annonces? Non, je m'en fiche des annonces. Hop, voilà. Donc là, on a David qui nous dit ça fait 2 ans sous OpenMediaVo. On n'utilise pas OpenMediaVo que pour le côté NAS. Et effectivement, OpenMediaVo ne fait pas que du NAS. On va le voir ici. Salut à Alain qui arrive aussi. Donc on va essayer de voir un peu les add-ons et tout ça. C'est pour ça que j'ai mis beaucoup d'espace disque et puis que j'ai mis quand même au moins 4 Go de RAM. Et voilà. Un pour la distribution et un autre pour le NAS. Alors si. Attends, on va ajouter 3 disques, on n'est pas ça près. Je vais mettre un troisième disque, 250 gigas. Ça, on verra ce qu'il va nous proposer. Hop. Voilà. 3
trois disques. Je vais juste ici me mettre. Où est-ce qu'il est? QEMU guest agent, c'est enabled. Ok. Donc, on va démarrer ça. Je vais ouvrir la console qui va bien. Et donc, je vais lancer l'install. On va installer ça ensemble. C'est basé sur Debian, effectivement. C'est basé sur Debian. Donc, ce sera basé sur Debian 11. Et là, on reconnaît l'outil d'install traditionnel de Debian. Alors, attendez, par contre, ce qu'on va faire... Je vais juste changer un truc là. Hop. Syntax horreur, salut, qui arrive. Hop. Alors, attendez, j'ai juste un petit souci sur l'autre écran. On va régler ça de ce pas. Voilà, hop. Je fais ma petite mavie. Oui, traditionnel, moche si tu veux, mais il fait le job, il fait le job. Il fait le job, ça. Donc, on va installer ça en français. Ok, français, France, français. Donc, voilà, c'est... là, il n'y a pas de surprise. C'est bien de la Debian là-dessous, sans aucune surprise. Moche mais efficace. Hein. Il a pas. Il y a peut-être une install en mode graphique, mais en fait, l'install en mode graphique, c'est la même chose que ça. Mais juste avec une interface graphique, donc ça sert rien en fait. Ça sert à rien, c'est les mêmes menus, c'est les mêmes choses, sauf que ça charge une interface graphique. Bonsoir à Monsieur Renard qui arrive. Tac. Je crois qu'on peut avoir du Docker. Alors, Open Media Vault, c'est bon hein, comme nom de machine, ok. Domaine. linuxtrix.lan, ça c'est le nom du domaine à la maison, donc on va mettre le même. Mot de passe root, est-ce qu'on peut toujours mettre des super mots de passe sécurisés? Oui. Un caractère, c'est génial. Vous savez que pour les machines virtuelles, je mets toujours le premier caractère, le mot de passe, c'est le premier caractère du nom du compte, comme ça c'est facile pour s'en rappeler quelques années après. Donc là, veuillez noter que toutes les données du disque choisi seront effacées, mais pas avant d'avoir confirmé que vous souhaitez réellement effectuer les modifications. Donc on va installer sur le premier disque Open Media Vault, ici, DevSDA. Donc il nous fait de l'ext4 sur la racine et basta. On verra combien de place ça prend, etc. Salut Harry Cover, j'adore le jeu de mots. Donc on va installer notre petit truc tranquille. On va voir hein, si on peut se connecter en console après un petit coup, juste pour voir ce qu'il y a comme ce qui nous a fait comme partitionnement, combien de place ça prend, etc. Donc c'est bien une Debian là-dessous. Donc là, bon, bah, installation du système. Il n'y a rien d'extraordinaire pour le moment au niveau de l'install. Si mes souvenirs sont bons, c'est après l'install, de base, tout se configure avec l'interface web. Donc là, on va laisser le bins s'installer. Je vais juste regarder, par contre, le Proxmox, il est peut-être un peu... Ouais, c'est bon. Proxmox toujours en 7.3, hein, j'ai toujours pas fait la mise à jour. Salut à Christopher, salut à Jerem, qui arrive aussi. Installez-vous. On a juste expliqué rapidement ce qu'était Open Media Vault à travers le site officiel, qu'il faudra d'ailleurs que je pense à mettre sur... Enfin, dans le lien. Salut à Fernand qui arrive. Je vais aller juste voir sur Wikipédia. Open Media Vault. Je mettrai la page Wikipédia aussi qui résume assez bien le truc. Voilà. Le temps que ça s'installe. Ouais. Le temps que ça s'installe. Voilà. Donc, Open Media Vault est une distribution Linux sous licence libre basée sur Debian. Donc, ça répond à la question. Destiné au serveur de stockage en réseau NAS, fournissant une interface web pour la configuration. Open Media Vault apporte de nombreux protocoles, donc Samba, FTP, NFS, AirSync, AFP, ça doit être pour Apple, ça, hein, Apple Share. Donc ça, c'est pour la partie NAS.
partage de fichiers. Ensuite, rapport smart pour la détection des pannes de disque dur, par exemple, disque dur ou SSD. Authentification d'utilisateurs locaux, raid logiciel. OpenMediaVo est distribué sous forme d'image ISO et sous forme de code source. Donc, petit historique qui m'a été d'ailleurs rappelé rapido sur Twitter par Nidouille, qui va peut-être être dans le coin ce soir. Le développeur d'OpenMediaVo était le développeur principal de FreeNAS, mais on avait assez des limitations de FreeBSD au niveau matériel. Et donc, il a fait OpenMediaVo, qui donc s'appuie sur Debian. Donc, fonctionnalité, voilà tout ce que permet globalement au niveau du système OpenMediaVo. NTP, réseau protocole, certificat HPNFI, alors ça on s'en fiche un petit peu. Voilà, stockage, donc disque physique, support de la surveillance d'état des disques, gestion avancée de l'énergie pour les disques durs, gestion du RAID logiciel. Donc on va voir, on va faire du RAID logiciel, on va voir comment ça va être réglé. Le RAID logiciel avec quoi ? Système de fichiers gérés, EXT3, 4XFS, JFS, BTRFS, gestion des quotas par volume, gestion des droits d'accès, services intégrés, donc on a FTP, NFS, RSync, Samba, SNMP, SSH, TFTP. Voilà. Et donc la version, aujourd'hui c'est la version 6, basée sur Debian 11. Voilà. Donc je mettrai ça aussi dans le descriptif du replay. Et donc là on va configurer juste l'outil de gestion des paquets France Deb Debian. Hop, salut à Nosson qui arrive. Fernand, ça va, t'es pas en retard hein. On installe juste OpenMediaVault, c'est pour le moment l'install c'est comme une Debian, hein. Y a rien d'extraordinaire. Donc voilà, j'ai essayé de mettre Benjamin Faux, salut, je te zappais là. Perso, j'ai essayé de mettre Casa OS pour remplacer mon OpenMediaVo, ça le fait. Ok, bah je vais garder ça. Je vais noter ça. Casa OS. Casa OS. Je note comme ça. Pas de Samba V1. Ouais, Samba V1, à mon avis, peut-être en modifiant le fichier smb.conf. Il existe une version de FreeNAS sous Debian. Ah, ok. Donc, voilà. Salut Zaim Mohamed. Ou Zem. Bon, c'est un peu long à installer. Hein. Mais il y a tout dedans. Il y a tout dedans. Donc oui, OpenMediaVault peut être identifié comme étant une distribution Linux. C'est une distribution, mais vraiment à usage spécifique. Installation terminée. Et donc, si c'est du Debian, comme d'hab, après l'install, ça redémarre. Oui, non, oui, non, oui. Et ce que je ferai peut-être, c'est que je garderai cet OpenMediaVault pour essayer de voir comme s'il y a des mises à niveau qui se font au moment où il y aura la nouvelle version. Hop, Debian. Alors, je vais retirer le média. Tac. Tac. Voilà. Donc, réinitialiser. Merci pour l'abonnement à MS Poliaha. Salut Abdoulah, bienvenue. Bon écoute, esquisse, on va voir ensemble à quoi ressemble OpenMediaVault, ce que ça permet, et puis on pourra répondre aux questions finalement. On pourra répondre aux questions tranquillou, voir des choses qui vous intéressent peut-être dans OpenMediaVault. Donc là c'est installé. Donc il nous dit quoi ? Que pour y accéder, on y va via l'interface web. Username, admin, password, OpenMediaVault. Ok. Donc, ça n'a strictement rien à voir par rapport au mot de passe que j'ai mis de l'install de Debian. Donc, juste je vous montre, root, hop, voilà. Et donc, on a bien
écrire une Debian, hein, 4 etc Debian version Debian 11.3 au moment où est sortie l'image ISO. Donc on va voir si on peut faire les mises à jour via l'interface graphique, etc., etc. Donc par contre, il ne nous a pas proposé à l'installation de mettre une IP fixe, il a pris automatiquement une adresse IP en DHCP. Donc on va aller se rendre ici sur 192.168.21. Ah oui, il y a encore l'historique d'AD Guard. 102. Voilà. Alors, on va voir si on peut mettre du HTTPS. Non, il n'y a pas d'HTTPS. HTTP, d'accord. Donc voilà à quoi ressemble l'interface. Et donc, je vais mettre admin open media vault. Et voilà. Génial. Donc ça, c'est le tableau de bord. Génial. Comment tu fais pour avoir un domaine en .lan? Tu vois ça où? J'ai mon .lan, hein. Oui, mais... C'est le DHCP, moi, qui me donne le .lan. J'ai pas un vrai domaine en tant que tel. Alors, OMV First Aide dans le shell pour config l'IP fixe. Tiens, on va essayer. On va essayer. OMV. Tiens, on va voir d'ailleurs s'il y a d'autres outils OMV. Ouais, ok. Donc OMV, RM Red. Ok, donc il y a des fonctions spécifiques. Et donc là, on a First Aide. Ok, d'accord. Donc ce petit utilitaire, bien sympathique, que je ne connaissais pas. Configure Network Interface, configure Web Control Panel. Ah bah tiens. Donc là, ok, je peux configurer le réseau. Web Panel, port 80. Je vais voir si on peut... Non, d'accord. Donc on n'a pas la possibilité de mettre du HTTPS. Change Control Panel Administrator Password. Reset Fail. Alors vous voyez peut-être pas très bien là. Je vais vous mettre encore plus gros. Comme ça. En fait, c'est pas comme ça que je devrais faire. Attendez. Je vais faire comme ça. 192.168.21.102. Hop. Est-ce qu'on peut se connecter en route comme ça direct? Ok, ouais, c'est bon. Donc, OMV. Attendez, je vais vous remettre comme ça. On n'a rien vu. Hein. Donc, OMV. OMV, voilà tous les outils OMV qu'on a. On va y arriver. Hein. Voilà. On a tout ça comme outil. Ouais, c'est mieux comme ça. Donc OMV First Aid. Ok. Permet de configurer donc l'interface réseau. Le panneau web de configuration. Changer le mot de passe de l'administrateur. Génial. Reset fail login attempt counter. Ouais, si à mon avis on se plante trop souvent, il doit y avoir un blocage à un moment donné. Donc là, on peut réinitialiser si on a la main sur le serveur. Retour configuration backup. Très bien. Check configuration status file. Check RDD database. Ok. Donc on a quelques outils. Bon. On va venir sur l'interface web. Ah oui, c'était là, le linuxtricks.lan. Oui, je l'ai mis à l'install. Le domaine, tu peux mettre à l'install un domaine particulier. Donc, il est là, oui. Le linuxtricks.lan. Salut à AMR61. Alors, sur le tableau de bord, qu'est-ce qu'on a? Le tableau de bord n'a pas encore été configuré. D'accord. Donc, il n'y a rien dans le tableau de bord. Ce qu'on va faire, on va parcourir vite fait peut-être l'interface. Tac. Voilà, on va parcourir tous les onglets, histoire de faire un petit tour... un petit tour d'horizon. Donc, interface utilisateur, port 80, déconnexion automatique 5 minutes. Alors, déconnexion automatique 5 minutes, sécurité avant tout, mais 443, c'est pas actif. Donc juste, je vais me mettre 30 minutes pour être tranquille. On va activer SSL TLS. Alors, on pourrait même se faire un petit certificat, là. Créer. On peut se créer un petit certificat sympa. On peut pas en importer un. Je vais regarder. Si, importer.
Au format PEM. Il le faut au format PEM. Ok. On va pas en faire. Je vais juste ici activer ça. Je pense qu'il va nous faire un auto-signé, non? Ouais, ça doit être un auto-signé. Donc Linuxtrix, on va en faire un tout. Signé Linuxtrix. Ville Dijon. Bourgogne. Hop. Pays. Ah, ok, d'accord. Ok, France. Hop, et je vais mettre Open Media. Voilà, on s'en fout. Hop là. Voilà. Et donc maintenant, on doit pouvoir se mettre du HTTPS. Voilà. Et donc ici, si je me mets en HTTPS, bon, il va me dire que ça marche pas. Ouais, c'est un certificat auto-signé. J'aurais pu le faire. Attends, enregistrer. Ah, bah, il faut peut-être relancer le. Vous devez appliquer ces 100 changements. Appliquer. Ouais, ok. Donc, quand on fait une modif, en haut, il faut appliquer. En plus d'avoir fait la modif. Donc là, j'ai fait un truc auto-signé. Ça devrait faire le job. Ah, il est sympa le message d'erreur. Ok. Cool. Je pense que c'est le temps que le portail ne réponde pas. Alors, HTTPS. Ah, bah voilà. Donc, je pense que nous pouvons mettre un certificat pour nous. Bon, on va rester en auto-signé, ce qui est le cas, à mon avis, le plus courant pour vous à la maison. Vous ne générez pas le certificat. Vous savez, mettre un certificat comme là, le Proxmox, il a son certificat. Voilà, il y a tout ce qui va bien. Bon, on ne va pas rentrer dans ces détails-là. Data error, ok, c'est pour régler. Donc le fuseau horaire, Europe, Paris. Donc ça, c'est des trucs pas très intéressants, en fait. Tac, enregistré. Notification. Bah, de toute façon, si tu forces le SSL, à mon avis, hein, je vais pas aller voir, mais si tu forces le SSL, c'est juste que si tu arrives sur le port 80, il te redirige sur le port 443, mais dans tous les cas, pour faire la redirection HTTP vers HTTPS, tu es obligé de laisser ouvert le port 80. Salut à Alducino. Donc dans notification, qu'est-ce qu'on a? Bah, on peut envoyer des notifications, configurer un serveur SMTP pour envoyer des mails. Très bien. Et on peut dire, voilà, on envoie des notifications sur le processeur, système de fichiers, charge moyenne, utilisation de la mémoire, surveillance des process, raid logiciel, etc. Mise à jour. On va regarder comment on fait les mises à jour d'ailleurs. Voilà. Donc là, je pourrais utiliser mon compte, je me rappelle plus, mon compte démo Linuxtrix là, mais bon. Gestion de l'énergie. Surveiller l'état du système et sélectionner le niveau d'utilisation du processeur le mieux approprié. Attendez, je vous mets peut-être un peu plus gros. Comme ça, c'est mieux peut-être. Surveiller l'état du système. Bouton d'alimentation. Ok, donc si on appuie sur le bouton d'alimentation de la machine physique, qu'est-ce qui se passe? Donc rien, c'est bien. Ça évite éventuellement, si vous avez un petit PC qui est dans un meuble ou autre, si vous appuyez par erreur sur le bouton, bah, que ça ne l'éteigne pas. Tâches planifiées, vous pouvez faire des tâches planifiées, donc c'est ni plus ni moins qu'une interface graphique pour Crontab. Gestionnaire de mise à jour, on va aller voir. Surveillance, statistiques sur les surveillances, très bien. Certificat, donc c'est là qu'on peut faire nos certificats SSL, c'est là que ça nous a redirigé ici tout à l'heure. Ah, attends, les OMV extra direct, les OMVM extra. Ok, alors attends, on va aller voir. Gestionnaire de mise à jour, paramètres. Donc qu'est-ce qu'il dit?
Source de mise à jour de pré-version, mise à jour maintenue par la communauté. Donc on va rester sur quelque chose de stable, peut-être. Et donc, mise à jour, comment ça se passe? Ah, je vais réduire un peu. Donc là, super, il nous détecte toutes les mises à jour. Il y en a un sacré paquet. Et donc, pour les faire, installer les mises à jour. All packages upgraded. Confirme, oui. On va faire la mise à jour. Mise à jour commu aussi, il faut les mettre. Bon, je vais cocher, on va les refaire après. Et donc, ce qui va être intéressant de voir, c'est là, on fait les mises à jour, mais est-ce qu'on peut redémarrer le serveur depuis le panneau? On va voir ça. J'espère que oui. Je vois ce bouton-là, donc ce bouton-là, je pense, il devrait faire l'affaire. Fini le tour des menus, puis les extras, puis co MV. C'est les extras. Donc, on va déjà faire les mises à jour, ça c'est la première chose. Je sais pas combien de temps ça prend. En tout cas, c'est sympa. En tout cas, c'est sympa. Pour le moment, on n'a rien créé sur le stockage, rien du tout. Le stockage, c'est des disques. C'est du LVM direct sur le SSD. Non, j'en rêve, c'est une base Debian, mais vu que l'ISO elle est sortie il y a un an, bah, il y a un an de mise à jour de Debian, quoi. Les extras, c'est un tas de plugins en plus. Alors par contre, ouais, il y a le truc plugin là, donc je vais voir si c'est là-dedans que ça s'active ou pas. Donc là, j'imagine, hein, qu'il faut pas quitter la fenêtre. Donc on va le laisser finir tranquillou. Les extras, c'est un tas de plugins en plus, en ligne de commande. Ouais, l'image ISO, elle date d'il y a un an. Attends, fais le tour des menus, puis les extras, parce que OMV, c'est les extras. Alors. Ok, c'est fini. C'est fini. Hop, mise à jour, mise à jour. Il y en a encore. Hein. On va chercher les mises à jour. Ça a planté pendant les mises à jour. Par contre, oui. Ayant loupé les 30 premières minutes, je ne sais pas si tu as indiqué pourquoi. C'est juste que j'avais prévu, si je l'ai dit vite fait, j'avais prévu de faire une vidéo sur Open Media Vault. J'avais regardé à quelques comparatifs il y a de nombreux mois et j'ai jamais eu l'occasion de faire la vidéo, donc je me dis pourquoi pas faire un live et découvrir tout ça. Bon, là on voit que finalement l'image, je ne sais pas ce qu'il fait là. Alors attends. Ouais, il en reste quelques-unes. Il en reste quelques-unes. Alors, attendez, on va les faire. Oui. Moi, je le fais en mode découverte, quoi. Hein, donc. Open Media Vault, salut Florian. Open Media Vault, c'est du Debian dessous. Ok. D'accord. Alors, on va retourner ici. Gestionnaire de mise à jour, paramètres, mise à jour. Oh, il veut pas me tout me faire. Hein. Debian 11. Ouais, c'est vrai que là, l'image, je sais pas ce qu'il fait. Alors attendez, hop, on va le faire en mode apt update. Quatre paquets peuvent être mis à jour. Apt full upgrade. Oui. Bon, l'outil est un peu perfectible quand même. Hein. Donc ça nous met quand même un noyau 6.1 en provenance des Debian Backport. Ça, c'est intéressant. C'est intéressant. Alors, on va essayer de redémarrer le serveur.
depuis l'interface, parce qu'après les mises à jour, on va évidemment. Donc là, tu vois, Open Media Vault va être mise à jour de la version 6.0.24 à 6.4.3. Ça vaut le coup. Alors peut-être que si on faisait régulièrement les mises à jour, on n'aurait pas ce problème-là un an après. Ça, c'est peut-être possible. Je crois. Pour ceux qui utilisent, ouais. Ouais. Alors attendez. On va comprendre le truc de la du bandeau jaune là. Je vais juste attendre que ce soit bon, ça. Sachant que avant de faire ce live, j'ai pas regardé plus que ça le Open Media Vault. Alors ce sera peut-être un flop total, je ne sais pas. Ok. Donc, les mises à jour en ligne de commande, par contre. Le reste, tout se fait avec l'interface. Ok. Donc là, je vais appliquer le truc, là-haut. Hop. Confirme. Et ce qu'on va faire, on va rebooter un coup la machine. Puisqu'on a fait les mises à jour. Et peut-être l'interface va changer. Je ne sais pas. Allez. Je devrais mettre de la petite musique en fond parce que là, ça fait le grand blanc. Où je peux chanter. Après, effectivement, vu que j'ai jamais utilisé l'outil, peut-être que je fais des choses qu'il ne faut pas. Mais en tout cas, je fais les trucs qui me semblent plus intuitifs. On patiente. Salut, Idata. Voilà, super. Alors, ok. Là, il y a une petite notif qui nous dit quoi. Ok. Donc, on va redémarrer la machine. Redémarrer. Hop. On va redémarrer. Et donc, on devrait arriver sur une interface complètement à jour. On va voir ce que ça va donner. Et donc, on va voir comment on installe les extras aussi. C'est vrai que je me suis envoyé sur Telegram un truc qui était la doc que je voulais suivre. Et en fait, je me la suis envoyée, mais je crois qu'elle est là, le temps que ça redémarre. Documentation. Features. Donc je pense qu'ils vont nous dire extra comment ça s'installe. Moi je vous laisserai me dire pour ceux qui ont l'habitude comment ça s'installe. Alors est-ce que. C'est pas encore redémarré. J'espère que juste en installant les mises à jour, on n'a pas flanqué en l'air le truc. Ça redémarre pas, hein. La Debian, elle ne redémarre pas. Hein. À mon avis, elle bloque à l'arrêt, là. Je suis encore connecté en SSH. Ah, ça y est, ça a redémarré. T'es un peu long. Hop, allez. Non, là, typiquement, à mon avis, c'est un service systemd qui voulait pas s'arrêter et il faut attendre les 90 secondes habituelles. Voilà. Admin. Open Media Vault. Non. Open Media. Oh ! Admin. Open Media Vault. Wouh ! Donc on a fait les mises à jour. Je vais juste regarder là. Donc si, il faut que je vous mette les mises à jour maintenues par la communauté, vous m'avez dit. J'active.
Et donc, si je modifie un truc, je vais avoir le bandeau jaune, c'est ça? L'interface web, quand même, juste pour cocher un bouton, je trouve que c'est long quand même. Les informations sur les logiciels sont périmées. Voulez-vous recharger ces informations? Oui. Fais le apt update derrière moi, je pense. Retourne sur le tableau de bord et va sur Settings. On va aller sur le tableau de bord. Et on va aller sur Settings. Donc, paramètres. Page de paramétrage. Non, c'est très réactif normalement. Pour avoir le vrai dashboard en bas. Paramètres. Attends. Paramètres. Ouais. Mise à jour disponible. Coche tout. Je coche tout. Ok. Waouh! Oh, c'est mignon. Nickel ça. Utilisation du processeur 28%. Système de fichiers. Je vous ai mis en mode dark, mais normalement, je sais pas comme ça. Hein. Normalement, c'est comme ça le tableau de bord. Hein. C'est l'extension qui me met en mode dark. Hein. Mais c'est mieux pour le soir. Ok, donc il y a un petit graphe, processeur, système de fichiers, charge moyenne, smart, ok, service. C'est bien ça. Ça les lance. Ça les lance. Ça les lance. Si je fais ça, ouais, ok, d'accord. Les widgets sont interactifs. Si je vais sur SSH. Non. Mémoire. Ok. Mise à jour disponible. Pouf. Ok. Alors, on va quand même aller dans plugin. Donc, plugin. Ça, c'est les plugins. Je suppose que vous me disiez tout à l'heure. Alors, est-ce qu'il y a une astuce pour tout installer? Non. Non. Il y a un truc pour tout installer d'un coup? Non, non, c'est quoi? C'est des plugins qu'on peut installer qui ne sont pas installés? Les plugins de base. Ok. Bien. On va aller voir comment on active extra. Mais ils sont activés ceux-là, non? Attends, je vais aller voir par exemple, j'ai vu FTP. Donc si je vais dans stockage, dossier partagé, j'ai du FTP, non j'ai pas de FTP. Non, non, donc ça a installé, hein, je pense. Plugin. Alors on va aller installer extra. On va aller installer extra. Je vais regarder plugin extra. C'est dans la doc. Non, tout à l'heure on m'a dit. Attends. Tout à l'heure, vous m'avez dit il faut taper quoi dans Google? Je vais remonter. OMV extra BDS. OMVextra.org, c'est ça, hein? Ah, tu m'as filé le lien par Twitter, c'est ça? Attendez, je vais aller sur Twitter tranquillou. Yes, c'est ça. Oui, c'est peut-être dans les messages. Ok. Wikiomvextra.org. Ok. Nickel. Donc là, la superbe commande que nous sommes d'accord, je ne suis pas fan. Donc on va se reconnecter. Donc ça, ce genre de truc, hein, ce genre de commande, moi, j'aime pas. Hein. On récupère un script d'install qu'on pipe dans Bash. On n'a aucune. Ouais, faudrait voir un peu ce qu'il y a là-dedans. C'est pas terrible. On va les installer. Hein. Moi, j'aime pas ça. Alors après, faut voir avec les mises à niveau si justement ce genre de plugin d'extra, ça va pas causer quelques problèmes. Je sais pas.
C'est comme un dépôt. Je vais garder le lien, comme ça je mettrai tous les liens dans le replay. Hein. Ok. Press Ctrl Shift R in the browser. Ok, pour rafraîchir sans le cache. Hein. Donc, je vais revenir ici. Ah, je vais mettre ça là. Ok. Donc je vais rafraîchir. Rafraîchi? Rafraîchi. OMV extra. Ok, donc ça rajoute ça. Docker repos. Système Docker repo, ok. Install the Open Media Vault Compose to provide Docker fonctionnalité. Ok, donc on va pouvoir faire du conteneur. J'active. On verra ce que ça va faire. Salut Minzor. Alors attends, on va attendre qu'il machine son truc là. Certificat, on a créé un certificat tout à l'heure auto-signé pour activer le SSL. Donc là, ça me fait un certificat. Voilà, j'ai mis ça, c'est complètement bidon. Après, si on va là, tu peux importer les tiens. Il faut le certificat. La clé privée et le certificat RSA. Alors, je vais juste voir si on peut. Je ne me rappelle plus comment. Attendez. Je vais voir si on peut importer son propre certificat. Laissez-moi juste un petit instant. Je ne sais plus où sont mes trucs là. On va tester vite fait. Je sais plus où c'est. Je vais essayer de retrouver. Ça doit être dans AA serveur config site. Voilà. Cert linuxtrix.lan. Voilà. Donc on va juste gencert. Je vais voir juste on se génère un petit certificat à la main. Et on va voir ce que ça donne. Alors, France, Dijon, organisation name, Linux Tricks. Donc là, common name. Je vais l'appeler omv.linuxtricks.lan. Non, je suis obligé de l'appeler Open Media Vault LinuxTrix.lan, attendez. Voilà. Root at LinuxTrix.lan. Je vais juste voir si on peut. Voilà, hop. Je vais juste vérifier un truc. Pas sûr. Ping de ça. Ok. Attendez, je vais faire mes petites affaires. Je rajoute l'entrée dans le DNS. Vite fait, hop. SRV etc. Je vais retrouver ça. Hop. Donc, je vais ajouter l'entrée dans le DNS. On a dit 192, 168, 21, 102. Open Media Vault, LinuxTrix.lan. Hop. Voilà. Hop. Donc normalement, si je reviens ici, ça ping. Et donc maintenant, ce que je vais faire, je vais voir si on peut. Je vais voir si on peut. Ah oui, j'ai fait n'importe quoi. Je ne me rappelle plus comment il marche mon script. Ah oui, j'ai fait n'importe quoi. J'ai fait n'importe quoi, évidemment. Tac, 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 tac. Ah, il a fait n'importe quoi.
C'est pas grave, on recommence. FR France. Merde. FR France. Mais ça me saoule de faire des certificats à la main à chaque fois. Dijon. Linux Trix. Tac. Donc on a dit Open Mediavo Linux Trix Wallan. Oh non. Email adresse adrien@linuxtrix.lan. Voilà. Bon, je vais être bon pour restaurer. Je vais être bon pour restaurer ces trois fichiers là. Alors, je prends tout ça. Non, j'ai besoin de ça et de ça. Alors, on essaye. Là, il me faut la clé privée. Donc, clé privée. Tac. Ça, le CRT. J'espère qu'il est dans bon format. Tac. Importer. Bien, on va essayer. Commentaire. J'ai compris maintenant. J'applique ici. Et maintenant, comment on fait pour utiliser celui-là? Voir les détails, créer un port. Il faut que je retourne dans l'interface utilisateur, je pense, et que j'active celui-là. Tac! Je valide. Oui. Tac, tac, tac. Salut, Jérém. Ce serait bien quand même qu'on ait notre beau certificat à nous quand même. Donc là bien sûr, openmediavault.linuxtrix.lan. Oh c'est beau, le certificat est valide, la connexion est sécurisée, certificat valide. C'est bon ça. Donc on peut mettre bien ses propres certificats. Alors par contre si on veut faire du... Si on veut faire du Let's Encrypt, ça a pas l'air d'être prévu. Hein. C'est bon ça. C'est bon ça. Bon, et eh ben c'est génial, voilà, super. On a notre certificat qui est tout beau. Donc, on a été où dans l'affaire? Système, on a tout vu. Hein. On a activé Docker. Donc, dans réseau, général, nom de l'hôte, Open Media Vault, Linux Trix.lan. Donc, ça, c'est ce qu'on a mis. Dans les extras, tu installes Portner. Ouais, mais là, j'ai rien, là, tu vois. Je fais quoi, là? Je peux rien faire, là. Portner dans Docker. Il faut installer un plugin. Ah, tu vois là dans OMV Extra, j'ai rien du tout, mis à part cette case là. Dans plugin. Dans plugin. Ouais. Je suis dans plugin. Faut que j'aille le chercher, hein. Donc il y a celui-là. Ah attendez. Portner, j'imagine que c'est dans P. Non, j'ai pas de Open Media Vault Portner. Mais oui, ça a ajouté des trucs. Maté plugin. J'ai rien. Mais. Il y a Borg Backup, intéressant. Mais par contre, Fail to Ban, File Browser, Flash Memory, FTP, Kernel, KVM. Donc là, ouais, il y a des trucs extra. Là.
Et voir si juste je peux filtrer sur extra. Ouais, voilà, ok. Je filtre sur extra, donc ça nous a ajouté tout ça. Anacron, APT tool, auto shutdown, backup, borg backup. OVM extra sous plugin. Oui, mais là-dedans, j'ai que ça. J'ai que ça dans OVM extra. J'ai que ça. Hein. J'ai beau rafraîchir la page. J'ai que ça. Bon, écoutez, on va avancer un peu. On va surtout configurer le truc, pourquoi c'est fait, à savoir le NAS, et puis on verra après. On verra la suite avec Docker, parce que sinon on va pas s'en sortir. Ok, ouais, donc file to ban, je l'ai vu. Ok. Donc là, on peut configurer son interface, c'est pas mal. Là, on peut se mettre en IP fixe maintenant. Ok. Gérer l'IPv6 si on en a. Gérer le serveur DNS. Ok. Proxy si on en a. Pare-feu. Alors qu'est-ce qu'il y en a dans pare-feu? On peut faire des règles. J'imagine que c'est pour les services qu'on va héberger, si on le souhaite. J'ai mal écrit partner. Ah, attends, je copie-colle. Hein. Ça n'a ni queue ni tête. Ce... Non, tu as partner, P-O-R-T, port. Moi, je lis pas. Hein. Mini DLNA, ZFS. Y a pas un partner là-dedans. Donc, c'est pas grave. Docker, on verra après. On va quand même configurer notre stockage parce que à la base, je voulais montrer Open Media Vault pour la partie NAS. Et voilà. Donc, disque. Voilà, ça on verra les extras après. On verra les extras après, sinon on va pas avancer en fait. Le temps de. On verra après. Donc, disque. Disque smart, donc c'est les statuts des disques. Donc là, bah, c'est des disques virtuels, donc il n'y a pas grand chose là-dedans. Raid logiciel, donc ça va être intéressant. J'ai donc trois disques dans la machine. Il y en a un, le premier, c'est celui sur lequel on a installé le système. Et donc il nous en reste deux, DevSDB et DevSDC. Donc si on veut faire du NAS là-dessus, on va faire du raid logiciel. Et donc, on va se créer ça maintenant, je pense. Hein. Donc, raid logiciel. Attendez, je reviens juste sur stockage. Ouais, raid logiciel. Donc, on va créer un raid. On va faire un raid 1. Attends, juste avant. Docker et Portner sont dans les extras. Ouais, on verra les extras comment ça s'installe parce que je sais pas comment ça marche. Normalement, tu dépiles le menu OMV extra et tu as Portner. Alors, je reviens dessus, hein. OMV extra, je n'ai rien dedans. Alors, attendez, je vais juste enlever l'extension de cookie, c'est peut-être elle qui fout le bordel. Non, je vous rassure que j'ai rien. J'ai rien. Ok ? J'ai rien, donc. On verra extra après. Raid logiciel. Donc on va se faire un petit raid. Miroir raid 1. Strip raid 0. Raid 10, raid 5, raid 6. Raid linéaire. Je sais pas ce que c'est raid linéaire. Raid linéaire. Raid linéaire. C'est quoi raid linéaire? Attends, je vais juste mettre en anglais un instant. Pour avoir la traduction, la vraie traduction de raid linéaire. Linéaire. Ouais. Je sais pas ce que c'est raid linéaire, je connais pas. Donc, je vais créer mon raid en miroir. Hein, j'ai que deux disques.
et je vais sélectionner mes deux disques. Donc forcément, deux disques de 250 Go dans un RAID miroir, j'aurai 250 Go dispo. Hop, nickel. Donc là, il y a un truc assez intéressant, c'est que c'est MDADM qui doit être utilisé, je pense, vu le périphérique MD0. On a l'état, donc ça c'est, les, ça c'est l'équivalent du 4, de la commande 4 slash proc slash je sais plus quoi. Donc on a les infos sur notre aide, c'est sympa. Je vais peut-être attendre, non je dois pouvoir faire monter, alors, monter un système de fichiers existants. Créer et monter un système de fichiers, parce que à la base on va pouvoir faire après quand même. Un partage, on va essayer de faire du NFS, du Samba là-dessus. Et donc là, on va créer et monter un système de fichiers. J'espère qu'on fait comme ça. Hein. Donc on va faire de l'XT4. Attendez, je reviens là. On a le choix entre BTRFS, EXT3, EXT4, F2FS. Ça peut être bien si vous êtes sur du flash. Par contre, je ne sais pas si F2FS... Quand on est dans du RAID logiciel sur du flash, ce que ça fait. JFS, XFS. On va prendre le XT4. Vous savez que j'adore le XT4. Salut à Bastien qui arrive et Whisplash. Et là, je vais me mettre sur le software RAID. Enregistrer. C'est quand même beaucoup plus simple de faire ça que de faire MD machin truc machin chouette, créer son RAID logiciel à la main et créer tout à la main. Alors par contre, à mon avis, le système de fichiers, il va pas vouloir le créer tant que la synchro RAID elle est pas terminée. Ah si, c'est bon. Bien sûr, on n'a pas le système de fichiers qui est créé en mode rapide, hein, avec l'option -q, -q. Donc, bah, c'est long, quoi. Avec le plugin ZFS, on aura le choix des ZFS, probablement. Par contre, ZFS consomme de la mémoire et je pense qu'il faut de la mémoire ECC pour ZFS. C'est un as, il formate bien ça, oui. Ça marche bien. Bon, après, il faut dire que les deux disques DVSD-B et DVSD-C de ce Open Media Vault sont sur le même SSD sur le Proxmox, donc... On n'est pas non plus dans une configuration idéale. Et ça avance. 1783 sur 1199. On aura presque eu le temps de retrouver les extras entre temps. Dawn. C'est écrit Dawn. Il a fini. Normalement. Salut Chim. C'est un peu laborieux quand même. Hein. Vous voyez que quand on prépare pas un c'est quoi qui dit, c'est beaucoup moins limpide que quand on prépare les sujets. Hein. Creating Journal, oui, puisque EXT4 est un système de fichiers journalisé. Il y a bug extra, je retrouve pas partenaire. Alors les extras s'installent. Alors les extras là, on les a installés comme on les a installés. Bah j'ai fermé le terminal. Non, on les a installés comme ça. Avec cette magnifique commande. Avec ça, voilà, wget, avec une commande très moche comme ça.
Les extras, ça rajoute un menu extra à gauche que tu as. Bah, on n'a pas d'extra. Sinon, je peux redémarrer encore le serveur, hein, pour voir. Alors, maintenant que mon système de fichiers il est créé, il va falloir le monter. Donc, on va aller le monter. Système de fichiers à monter. Voilà. Seuil d'avertissement d'utilisation 85%. Donc, ça, j'imagine, c'est pour envoyer des mails. Étiquette. Ok. Et on lui dit pas où le monter, hein. Visiblement, il le monte comme il veut, comme un grand. Je vais voir ce qu'il a fait dans le FSTAB. On va voir ce qu'il a fait dans le FSTAB. Je mets plus gros, hein. ETC FSTAB. Pour le moment, il n'a rien fait. Donc, il nous l'a créé, mais il ne l'a pas monté. Créer et monter un système de fichiers, hein, c'est ce qu'on a utilisé. Monter un système de fichiers existant. Démonter. Donc, il l'a monté, mais où, j'en sais rien. Il l'a peut-être monté, mais c'est pas persistant. Non, c'est pas monté. Il faut faire la bannière jaune. Ah oui, effectivement. Donc, quand c'est en jaune dans l'interface, c'est que il faut valider en jaune dans l'interface. C'est pas très intuitif, je trouve. J'ai du mal à m'y faire. J'ai du mal, j'ai du mal, j'ai du mal. Il n'y a pas un plugin au lieu qu'il y ait un bandeau jaune que ça mette un truc, un pop-up. Pop-up violent. Voulez-vous activer? Par contre, là, ouais, c'est longuet, je trouve. Je vais regarder un truc. Je vais regarder un truc. Oh, ouais. À mon avis, Proxmox, il en prend plein la tronche. Il en prend effectivement plein la tronche. Ouais, ok. Ouais, Proxmox, il en prend plein la tronche là. C'est Docker qui gère les Dockers. Faudra l'installer à la mano. Bon, on va voir la partie extra après. Salut Avis Lulu. Ici, on utilise Gentoo sur le PC. On est sur Linux, hein. Je mets la configuration à l'écran. C'est chiant le bandeau jaune, mais c'est comme le i sur RM. Ouais, qui d'ailleurs, RM-i est activé par défaut sur les Red Hat. Dans les plugins, il y a un plugin Docker Compose. Je l'ai vu. Je l'ai vu le Docker Compose. Hop là. Mais là, vu à mon avis que le Red il recompose encore. Je pense que c'est pour ça que c'est lent. C'est 4 proc et c'est quoi le fichier pour le raid? Je sais plus ce que c'est. Je sais plus si c'est DM. Ça fait longtemps que j'ai pas fait du MDADM. MD stat, je l'ai vu. MD stat. Ouais, voilà, le raid il est en train de synchroniser. Si un as fait nas, c'est déjà pas mal, ouais. Alors là, je pourrais presque dire, j'aurais dû créer le deuxième disque sur, j'aurais dû créer le deuxième disque sur l'autre SSD et que ça aille plus vite. Mais là, ouais. Là,
là, la machine. Ouf. Donc là, maintenant. Ok, donc on a validé notre aide. Est-ce qu'il l'a montée? Voilà, c'est ça que je voulais voir. TF. Ah, ben voilà. Oh, avec un magnifique point de montage. Mais il est là. DF-HT. Voilà. Notre EXT4, notre RAID EXT4, 250 Go. Il est là. Bien. On est bien. Donc, système de fichiers, c'est fait. Dossier partagé. Donc, est-ce que là, je vais regarder. Ok. Donc, qu'est-ce qu'on se fait en fichier partagé? On va se faire. Système de fichiers. On va se faire un petit dossier partagé déjà pour voir que notre truc il marche au moins. Nom. Test. Chemin relatif. Test. Donc. Chemin relatif du répertoire à partager. Test. Administrateur, lecture-écriture, utilisateur, lecture-écriture. Voilà. Pour le moment, on va faire tous lecture-écriture, on va pas se poser trop de questions. La distribution, c'est Gentoo. Je vais faire un partage vraiment crado comme ça, c'est juste pour qu'on teste. Par contre, on ne sait pas si c'est du Samba ou du NFS dans l'affaire. Je vais cliquer sur le bouton. Oui. On n'a même pas créé d'utilisateur, on a que l'admin pour le moment, mais. Ah, ça a été plus rapide. Donc on teste. On teste. Home. Alors. SMB 2.//. 192, 168, 21. J'aurais pu réutiliser le nom, hein. Slash test. Connection refused. Donc, ça nous crée un partage, mais il faut configurer Samba NFS. Donc, ça ne marche pas. Il faut activer les services. Donc, c'est bien. Vous voyez que ce qui me semble logique pour moi, en suivant le truc, bah, ça ne marche pas. Donc on va aller dans service, voilà. Et puis on va faire le truc le plus commun, on va faire du SMB CIFS. On va voir comment ça marche. Paramètres. Donc on va activer groupe de travail LinuxTrix. Donc ça en gros, je reconnais, hein, c'est paramétrer le fichier smb.conf. Hein. Serveur de temps. M'en fiche. Navigable. De répertoire personnel, bon, je m'en fiche. Paramètres avancés, on s'en fiche. On a que ça à faire. Je sais. Je sais. Il faut cliquer sur le bandeau. Juste avant, je vais activer NFS aussi, comme ça on sera tranquille. Voilà. Et donc dans NFS partage, on peut configurer les partages. Dans SMB partage, on peut configurer les partages. Alors, je vais valider déjà ça. Et donc j'imagine que dans les partages, on va avoir le partage que j'ai créé juste avant. C'est pas natif pour moi. Ça me donne envie de boire un coup. Une fois qu'on aura tout activé au moins une fois, on essaiera de se recréer un partage. Bon, après, j'ai pas de NAS à la maison. Donc, forcément, j'ai pas l'habitude de ce genre de truc. Et on n'a pas de NAS au boulot parce que c'est un peu désuet, hein, dirons-nous. Donc là, hop, partage. Je suis dans service SMB, partage, créer. Et là, je sélectionne mon dossier partagé. Alors par contre, ce qui va être sympa, c'est de voir si on peut accéder au même dossier en Samba et en NFS. Commentaire. J'en mets pas. Public. Non.
Donc ça, c'est ce qu'on met dans le fichier smb.conf, quoi, hein, lecture seule. Donc c'est read only yes no, navigable c'est browsable yes no. Activer la corbeille, ça c'est sympa. C'est sympa, on peut activer une corbeille. On va voir comment ça fonctionne après. Cacher les fichiers système. Attributs étendus, conserver les attributs d'os. Bon, on va faire un truc tout simple. Premier, test. Navigable, ok. Super. Donc là, par contre, je crée mon partage, mais... Ah si, j'allais dire, j'ai pas le bandeau. J'ai le bandeau. Vas-y, j'active le bandeau. C'est quoi l'avantage de NFS par rapport au SFTP? Bah, le SFTP, c'est du FTP sur SSH. NFS, c'est du partage NFS, quoi. C'est pas le même protocole, donc je serais peut-être tenté de dire que NFS est plus performant. Après, c'est différent. SFTP, tu vas avoir un login mot de passe. Le NFS, ce sera sur une adresse IP que tu autorises. Bon. Je pense que c'est. Faut voir l'usage, quoi. Si SFTP te va bien, garde SFTP. Allez, j'essaie de me connecter cette fois-ci. Yeah! Alors. Anonyme. Alors, non, ça marche pas. Donc, on va mettre admin. Je pense. Admin. On est d'accord que là, c'est le compte admin qu'on a créé, quoi. Donc, Open Media Vault. On va voir si on peut créer des... Non. Donc, c'est probablement des autres utilisateurs. Donc, c'est bien parce qu'à chaque fois, en fait, on descend le truc, mais on oublie des choses. Donc, tu vois, là, j'ai... Harry Coverne dit, il faut créer un user. Oui. Donc, on va créer un user. On va voir rsync après, si vous voulez, SSH. Utilisateur, paramètres. Répertoire personnel des utilisateurs. Donc, non, je ne vais pas en faire. On va créer un utilisateur. Créer. Non. Adrien. Mot de passe. Voilà. Shell. En même temps, si on fait que du partage de fichiers, on n'a pas besoin de shell, hein. Je vais voir si ça fonctionne sans. Je vais pas faire de groupe. Imaginons, je veux faire que du partage. Moi, alors pour moi, NFS c'est plus rapide. Je monte des reps de mon NAS sur home au démarrage. Ouais, NFS c'est plus. NFS c'est assez rapide. NFS je l'utilise dans un seul cas précis. J'ai un serveur NFS sur le PC là. C'est typiquement quand je fais du CloneZilla pour backup un PC, je le fais à travers le réseau, à travers NFS. Je suis pas sûr par contre que NFS soit chiffré. Peut-être NFS 4, je sais pas. Après SFTP, tu passes par du SSH, donc forcément tu as toute la couche de chiffrement de SSH, et à la base SSH c'est pas trop fait pour enfin tu vois, NFS Network File System, c'est fait pour quoi. Ouais, je vais mettre les droits sur le partage, je vais le faire tout de suite et je vais répondre à la question juste après de Minzor. Attends, je reviens sur mon partage. Haute autorisée, haute interdit. Je vais regarder où est-ce qu'on met les utilisateurs dans le partage. Public, non. Ça n'a pas l'air d'être là-dedans. Haute autorisée, haute interdit. Alors, c'est peut-être autrement, c'est peut-être dans les utilisateurs qu'on met les accès au partage. Shared folder permission. Ok. Super pas pratique.
C'est vu, j'ai trouvé tout seul. Read write. Ok. Alors, hop, je reviens juste à la question de Midzor. Je sais pas si c'est plus ergonomique qu'un Synology. Je n'utilise pas de NAS Synology. J'en ai jamais vu. Aussi bien au boulot que chez moi. Donc, je sais pas te dire. Donc là, hop, je fais le petit truc là. Et maintenant que l'utilisateur Adrien a les droits sur le dossier test qui est un partage Samba sur un système de fichiers qu'on a créé sur un RAID, ça devrait marcher cette fois-ci. Ok, vas-y, on essaye. Oh! Oui, ça marche. Alors, attendez. Voilà, il fallait au moins celui-là. Donc, ça marche. Donc, maintenant, je vais écrire un petit dossier. Hein. Je vais arranger mon petit truc. Ou, par contre, c'est d'une performance extraordinaire. 1h21 après avoir lancé le live, on a un dossier partagé. Mr. Slayer, c'est le même tada que le Twitch. New folder. Ok, donc Samba. Oui. Alors maintenant, ce qu'on va faire, on va s'amuser. On va regarder le... Alors j'allais dire, on va regarder la performance d'écriture, mais c'est biaisé parce que j'ai un SSD de l'autre côté, mais les deux disques en RAID sont sur le même SSD. Attendez, je fais ça. Non, je vais faire ça. Hop, SSD, je dois avoir un VMDK de 11 Go, ça va être parfait. Copy. Paste. On va regarder comment ça copie. À mon avis, Proxmox est à genoux là. Proxmox est à genoux. Surtout qu'il n'y a pas que l'Open MediaVo qui sait, qui tourne, il y a d'autres choses qui tournent dessus. Bah, normalement, il y a, si je fais rien sur les machines du Proxmox, il n'y a rien qui est là en écriture. Là, tu vois, ça dépote à 13 hémosecondes, c'est pas terrible. Ouf. Connexion timeout. Bon. Je pense que... Attendez, on va copier autre chose. On va copier des trucs qui sont pas très gros. Hop, copy, paste. Donc, on va essayer. Donc 13 hémosecondes, vous avez vu en Samba. On va essayer du NFS maintenant. Je vais faire NFS. Partage, créer, ici, client, donc 192.168.21.0/24, je vais autoriser tout le sous-réseau, et ailleurs que moi, lecture-écriture, donc là, les options par défaut, il nous met subtree check insecure. Ouais. Je vais juste regarder. Ouais, moi j'ai mis ça, mais... Ouais. Bon, je vais laisser les options par défaut. Alors, je vais juste voir si je peux, sans cliquer sur le bandeau. Je vais voir si là, je peux... Non, donc là... Est-ce que ça... Je sais pas, attendez, hop, je vais vérifier, je vais valider ça. Est-ce que là, on va avoir le deuxième test, on va avoir choix pour NFS, ou faut que je fasse un deuxième partage? Je sais pas. N'oublie pas que t'as Red qui sync et qui bouffe des perfs. Oui, tiens, d'ailleurs, je vais voir où il en est. Ah ouais, il sync toujours, là.
Pourtant, il se passe plus rien là. Si, par contre, vu que ça sync, est-ce que ça va pas remplir mon volume? Je vais regarder. Ah, voilà. Donc, le raid qui sync remplit les volumes. D'accord. Voilà la cause du problème. Voilà la cause du problème. Donc ça me remplit, la synchronisation du raid, ça me remplit vraiment les volumes. Qu'est-ce qu'on est bien. Alors, là maintenant, maintenant la question, c'est que je mets en vrac une partie de mon Proxmox avec ces conneries. Donc ce qu'on va essayer de faire, on va juste essayer de supprimer le raid et de mettre des disques juste de 2 gigas. Je vais voir comment on peut faire. Stockage. Je pensais pas qu'on allait être dans ce cas-là. Alors j'imagine que si je veux supprimer le raid, il faut que je supprime tous les partages et tout le truc. Alors, attendez, on va tout supprimer. Je m'attendais pas à ça. Alors attendez. Maintenant qu'on sait faire. Est-ce que je peux le supprimer, le système de fichiers? Pas sûr. Hein. Je supprime tout comme ça. Hop. Et c'est là qu'on va modifier, créer. Démonter, oui. Et c'est là que, avec le bandeau magique, on va pouvoir tout faire d'un coup. Raid logiciel, tac, 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 oui. Alors, non, on va déjà faire ça, hop. On va tout casser, on va tout refaire. Et je vais faire des disques plus petits. Mais je m'attendais pas à ce qu'ils me remplissent les 250 gigas en synchronisant le raid. Bon, si vous faites ça sur une machine virtuelle. On casse tout. Ce qui va permettre de voir d'ailleurs si on s'est trompé, si on peut casser, on peut refaire. On va voir que ça fonctionne bien. Après avoir bricolé avec les certificats. Donc vous voyez ce genre de truc, j'aurais préparé le c'est quoi qui dit, je l'aurais vu ça. Tac. Donc on va faire ça. On va arrêter Open Media Vault. On va retirer les disques. On va en mettre des nouveaux. Moins gros. Et voilà. Et je pense que les performances seront déjà mieux. Mais je m'en suis rendu compte de ça. Là, je suis allé là, puis j'ai dit, c'est bizarre, il n'y a plus d'activité disque alors que le raid, il n'est pas reconstruit. Voilà. Hop. Donc, normalement, je vais juste faire ça. Pour que le système il soit au moins sûr que les disques ils servent plus. Confirmé. Oui, rapide. Hop. Arrêtez. Oui. Yes. Hop, c'est arrêté. Donc on va tout de suite retirer ça. Disque action. Non, je vais détache. Oui. Détache. Oui. Remove. Yes. Remove. Yes. Alors, je vais regarder combien j'ai de place hein, sur le stockage.
185. Donc j'ai 50. Ok, donc je peux mettre deux disques de 20 Go. On va mettre deux disques de 20 Go. Tac. 20 Go. Tac. 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 Hard disk. Tac. 20. Hop. 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 On rallume. C'est bien que nous puissions voir en live ce qui ne fonctionne ou non, ça prend du temps, mais c'est utile aussi. Ouais. Bon, j'aurais bien aimé que ça. Bon. Au moins, en tout cas, vous le savez, que si jamais vous voulez faire, vous, des machines virtuelles, par défaut. Salut Davius. Ah! Par défaut, les machines virtuelles, elles sont. Comment dirons-nous ça? Elles sont avec des disques dynamiques. Donc si vous faites ça sur VirtualBox pour regarder, bah, vous pouvez remplir votre disque. Par contre, le problème là, c'est que. C'est qu'on a un kernel panique. Donc ça veut dire que soit je me suis trompé, j'ai supprimé un disque qu'il ne fallait pas. Ce qui n'est pas le cas. Soit on a fait une bêtise. Hop, réinitialiser, oui. Je vais voir si je peux démarrer sur l'autre noyau. Sais pas si on avait redémarré avec le noyau 6.1. Là, par contre, si on casse le système. Donc, c'est peut-être le noyau 6.1 qui a un blème. Ou qui, à l'install, n'a pas tout créé, parce que là, ça marche. On se fait peur des fois, on se fait peur. ADMIN Open Media Vault. Je vais l'enregistrer le mot de passe. Ah bah j'ai cliqué sur jamais. Allez, on est reparti mon kiki. Donc on a compris. Pour faire un partage. Étape numéro 1. Créer un RAID logiciel. On va le faire en miroir. Sur nos deux disques. On enregistre. On clique sur le bandeau jaune. Oui. Deuxième étape. Une fois que le raid est fait, nous allons créer notre système de fichiers. Notez bien, à partir de 1h38, 1h35, on a la procédure, on sait ce qu'il faut faire dans l'ordre. Donc là, on est d'accord, ça synchronise. Je vais garder ça sous le coude. Ça va beaucoup plus vite là en plus, hein, il y a du stockage. Hein. Juste vérifier que. Ok. J'espère juste que j'ai pas fichu en l'air les VM qui sont dessus là. Normalement, le deuxième disque, c'est que des tests. Donc ça, tout à l'heure, c'était lent. On boit un petit coup au passage. L'application, c'est Open Media Vault, ça permet de créer, enfin, ça permet plein de choses, mais ça permet notamment de pouvoir installer cet outil sur un PC de récup, par exemple, ou dans une machine virtuelle pour transformer le tout en NAS. Voilà. Alors, c'est long, hein? Mais effectivement, j'en rêve, il se pose plein de questions parce que ça a du mal à marcher notre affaire. Allez, système de fichiers. Créer et monter un système de fichiers EXT4 sur le RAID logiciel. Hop!
Donc on a dit, on a fait deux disques de 20 gigas. Donc je vais recopier mon fichier VMDK là de quelques gigas. Donc j'imagine, on est d'accord que je peux pas, enfin c'est compliqué d'ouvrir un deuxième portail pour faire autre chose en parallèle. Hein. Genre créer mon utilisateur. Mais vu que les systèmes de fichiers sont plus petits, voilà, c'est plus rapide. Donc dossier partagé. On va créer test. Ah oui, je sais, je sais, je sais, je sais, je sais. Je sais, j'ai compris, j'ai compris. Je n'ai pas cliqué sur le bandeau. Monter un système de fichiers existant. On va le monter. Même si normalement il aurait dû me le monter tout à l'heure, non? Voilà. Est-ce que je peux faire un dossier partagé sans cliquer sur le... Non, je suis obligé de valider un petit coup. Donc, c'est compliqué, hein? Salut Cédric. Franchement, ça me donne... Enfin, je sais pas si cette diffusion vous donne envie d'utiliser Open Media Vault, mais alors vu comment je vous présente l'outil... Je suis pas sûr que ce soit le meilleur C'est quoi qui dit du monde, hein, quand même. Vous savez ce qu'on va faire? Au mois de juillet, on va faire TrueNAS. Et je vous promets, on essaie de faire le sujet mieux. Ok? Donc, hop, hop, faut que je revienne là. On va recréer notre dossier. Voilà. Test, chemin relatif test, c'est très bien. Je vais créer mon utilisateur, Adrien. Donc j'ai dit Adrien, il n'a pas à se connecter sur la machine, bin false. Voilà. Là, je vais valider. Voilà. Et maintenant, on va aller donc dans Samba. On va se faire notre petit partage. Donc, test. Je laisse les mêmes options que tout à l'heure. Je vais dans NFS. Je vous refais un petit NFS. Je vais le faire en même temps. 192, 168, 21, 0 slash 24. Voilà. Est-ce que je peux faire une pierre deux coups? Ouais. Tac. On recommence. On recommence. Alors, je ne sais pas s'il va m'avoir gardé le... Je vais attendre qu'il ait fini. On va essayer de reconnecter notre. On va essayer de copier-coller notre fichier. Salut OpenTux! C'est quand même laborieux notre affaire, hein. Allez, on essaye. SMB 2. Slash slash. Suis sûr que j'ai oublié un truc. Ouais, j'ai oublié un truc. J'ai oublié un truc. C'est peut-être d'activer les services. Non, c'est activé. J'ai mon raid. J'ai mon système de fichiers. J'ai mon dossier partagé. J'ai mon service SMB. J'ai mon partage. J'ai mon utilisateur. Il a les accès. Ouais,
il fallait peut-être que mon utilisateur, je lui mette les droits après la création des partages. Salut Doberman! Salut à Lyoto, à Fabien plutôt. Regarde l'état de l'arrêt de 5. Ah bon, alors attends, hop, je vais quand même réessayer cette fois-ci. Ouh. Je vais regarder la synchro raid. La synchro raid est bonne. Salut à François qui arrive. Salut à Yann aussi. Salut Jean-François qui arrive. Non, c'est Pare-feu, c'est IPFire. Là, Open Media Vault, c'est pour du NAS. Alors, j'ai peut-être oublié un truc. Dans mon utilisateur, Adrien, hop, mot de passe. J'ai mis un mot de passe. Je le remets. Hop, hop, hop. Tac. Read, write. Alors après, est-ce qu'on peut partager? Est-ce qu'on peut partager le même dossier en NFS et en Samba? Et en CIFS, oui. Je vois pas pourquoi. Pour être sûr, regarde. OpenMediaVault.linuxtricks.lan. Je vais mettre le nom. Ah! Je sais pas. Ouais. Bon, avec le nom, ça marche. Allez. Utilisateur enregistré. Hop! Gadon. Allez. On refait le test de lecture, d'écriture. Ah bah il est toujours monté là. Fichier VMDK avec... Attends, j'ai pas vu le message. Oui, mais ton SMB de ta distribution fonctionne? Oui. Donc là, on est à 50, 50, allez, 57 MB seconde. 50, 57 MB seconde, c'est pas mal. On est à la moitié du réseau gigabit. Après, le RAID 1, il est sur deux disques qui sont sur le même SSD de destination. Mais c'est pas mal. Je vais pas essayer de déplacer le disque parce que ça va m'écrouler le Proxmox, mais on est pas mal. Donc 40, allez, 50. Je vais pas déplacer le SSD parce que ça, je pense que je vais. Si je déplace, je déplace pas. Je déplace. Là, en fait, j'ai deux fois les écritures qui se font sur le SSD de destination, quoi. Et à mon avis, c'est lui le goulot d'étranglement. Exact. C'est lui le goulot d'étranglement. Bon. Je vais laisser la copie se faire. Maintenant, on va tester en NFS, juste pour voir si on peut. Alors, je suis pas tout à fait sûr que ça fonctionne avec... On est d'accord que ça fonctionne pas, NFS 2. slash slash, hein, je suis pas sûr. J'ai jamais fait. Non, je pense que ça marche pas. Attendez, je vais vérifier juste. GVFS. Ça peut peut-être marcher. J'ai jamais testé avec fichier là. Vous voyez qu'on peut faire connect to serveur NFS 2. slash slash. Si on peut, on devrait pouvoir NFS 2. slash slash. Je l'ai jamais fait par contre, donc
Ouais, je déplace sur l'autre SSD. Bon. Attends, je vais déjà essayer de monter en... Mount. Je vais le faire en juste en machine virtuelle. En... En comme ça. Ah ouais, mais j'ai besoin de tout, là. Attendez, hop. DF. Je pense qu'il est là-dedans, hein, mon dossier test. Hein. Ok, test. Donc, hop. Slash test. Je vais monter ça dans MNT. Test. Bon. Je sais plus comment on fait pour monter du NFS en ligne de commande, dis donc. Oui, j'ai refait mon partage en ligne. J'ai refait. Attends. Je crois. Hein. NFS, partage. Oui, il est là. Hein. Il est là. Par contre, je sais pas pourquoi il me met. Il me met ça. J'aime pas ces options. Je vais mettre ça comme j'ai l'habitude de faire. Tes exports sont déclarés pour le NFS. Sur la... Là. Pourquoi il m'a mis read-only? Bon, en même temps, ça doit marcher quand même en read-only, mais... Il est bizarre hein, ce fichier NFS là. Attends, je vais le supprimer, je vais le recréer. Je recrée. C'est ça? Mais après, pourquoi il met export test et pas ça test? C'est ça qui est bizarre. Sauf si ça, il le monte là-dessus. Attends. On va le recréer. On va le recréer tout propre. Sectionner un dossier partagé. Test. Je mets tout le sous-réseau. Lecture, écriture. Je mets mes options. Je vais cliquer sur le bandeau qui va apparaître. Voilà. Oui. Donc là, normalement, il me fait un bon partage NFS. On va attendre. Ok. Donc je vais voir ce qu'il m'a fait. NFS pseudo file system root. Viens voir qu'est-ce que j'ai dans export. J'ai ça. Je voudrais comprendre comment il fonctionne le truc, hein. ls-l. D'accord, il monte MD0 sur
Ça et monte MD0 sur export test. D'accord. D'accord, donc c'est normal. Bon, ok. Donc maintenant, je réessaye de remonter comme ceci, hein. Donc c'est pas ça qu'il veut. C'est ça. Alors j'ai pas vu s'il y avait un S à export ou pas. Non, il n'y a pas de S. Donc ça doit marcher. Et je ne précise même plus le type. Ouais. Alors attends. Mount NFS. On va regarder un truc. Hop. Mais c'est bizarre quand même. Alors, mon tireté, papapapapapap. Donc, ah, tu crois que... Tu crois que... MNT test, oui, c'était, j'ai peut-être pas les droits dessus. Export test. No such file or directory. Ça, c'est mieux au moins. On avance. Alors attendez. Hop, je reviens là. Export test. Export test. Ça? IP 2. slash, ouais, c'est ça. IP 2. slash. Ça. Je vais peut-être juste lancer ça chez moi. Ok. Ah bah. D'ailleurs, bah tiens, c'est vrai que moi j'utilise ce PC que en serveur NFS. Donc quand je lance le serveur NFS, il doit me lancer le truc qui va bien. Alors sudo rc update, attendez, je vais l'activer comme ça. Add, je serai tout le temps activé. Rc stat d. Donc je vais juste faire un sudo u mount de ça. Je voudrais essayer juste avec l'interface graphique en fait. Ça. Non, bon, on va le faire en ligne de commande, c'est pas grave. Donc on devrait le trouver quelque part dans Gentoo MNT test. Voilà. J'ai le droit de créer un dossier. Oui. Côté serveur, il exporte ça. Attends, je te remets le... Mais c'est pas ça que je vais faire. 4 ETC export. Il exporte ça. Slash export slash test. Par contre, en interface graphique, je me suis jamais connecté en NFS via l'interface graphique. Donc c'est peut-être mon Gnome, mon gestionnaire de fichiers Gnome hein, qui peut déconner aussi. Alors par contre, ce que je voulais faire, voilà, c'était tester la copie du fichier, voir si on était à plus de 50 mosecondes ou pas. Normalement, à qualité de stockage égale, le NFS est censé aller quand même beaucoup plus vite.
Donc là, la vitesse, elle chute. On va voir à combien se stabilise. Mais pour moi, le NFS va aller plus vite que du Samba. Côté client, même sous réseau, pas de filtrage. Ouais, même sous réseau, pas de filtrage IP, ouais. Et salut Xavier, je crois que je t'ai pas dit bonjour, je t'ai pas vu arriver. Ouais, je pense qu'en débit, on est à peu près pareil. Je vais annuler. Bon, en tout cas, ça fonctionne dans les deux cas. Après, je vous avoue que Gnome logiciel comme ça. NFS 2.//. 102. Export. Slash test. Ouais, je sais pas. Bref, c'est pas. Peu importe. Donc là, on a vu que le NFS, ça marche. Oui, j'ai toujours l'histoire du. Ah, vous voulez que je le déplace à un disque? Je vais regarder si j'ai 20 gigas ici. Ouais, je les ai. Je vais le déplacer. Je le déplace, je le déplace, je le déplace, je le déplace. Je vous ai compris. Je vous ai compris. Je le déplace. Nautilus en admin. Oh non, c'est pas ça le mot de passe. Le temps qu'il déplace le disque. Hein. Je sais même pas s'il veut lancer Nautilus en admin. Sudo Nautilus. Ça marche ça? Alors, hop, je vais essayer. NFS 2.//, 192, 168, 21, 102, slash E, export, slash, on a dit, test. Non, ça marche pas, tu vois. Unable to find. Qu'est-ce qu'il me fait? Ah oui, attends, j'ai oublié un 2, j'ai... NFS 2.//. Qu'est-ce qui lui va pas là? Je sais pas comment ça marche l'interface graphique. NFS 2.//. Ah, faut peut-être mettre un 2 points encore là. Non, je sais pas. Sais pas. Franchement, je sais pas. Ah, sans export. Sans export. Genre slash test tout court. Non plus. NFS 2.//, IP. Le temps que mon disque il se déplace. Hein. Moonpoint does not exist. NFS V4 not supported. Oui, mais il nous fait du V3. Bon, c'est pas grave. On s'en fiche, c'est pas grave. Bah, il n'y a pas besoin. Non, il n'y a pas besoin de user mot de passe. Je pense que sur le serveur, il n'y a pas besoin de refaire le export FS, puisque en ligne de commande, j'arrive à le monter. Tu vois? Il est monté là. Ah, bah attends, il faut peut-être que je mette exactement la même syntaxe que ça. Attends, j'essaye. Non, you do not have permission. Ah, là, j'ai pas la permission, attends.
test. Là, il trouve pas le fichier. Attends, là, il trouve pas le fichier. Et là, j'ai pas la permission. Ah, mais oui, mais attends. Qu'est-ce qu'il vient de dire, l'Adrien? Il vient de dire que NFSV 4 est pas supporté. Donc c'est peut-être à moi de lui dire dans NFS, fais-moi du V3. Paramètres. Je peux pas activer du NFS V3. Bon, écoutez, en ligne de commande, ça marche, mais... En route, mais arrêtez avec votre route, ça sert à rien. Ça sert à rien de lancer le... Alors, nfs2.slash... Je vois pas pourquoi. Là, c'est pire, parce qu'en route, il me dit unable to find home Adrien nfs2.slash. Il me fait n'importe quoi. Non, je... Bon, bref, peu importe. Du Samba, ça marche. Et en NFS, bah, en graphique, j'en sais rien. Vous savez ce qu'on peut faire, par contre? Vous savez ce qu'on peut faire le temps qu'il me move le disque? On peut faire ça, attendez. Celle-là de VM, je vais la stopper net. On va lancer une mint. On va tester avec un autre une autre distribution. Regardez, on va tester avec la mint que vous voyez de temps en temps sur les vidéos. Juste pour tester avec un autre gestionnaire de fichiers et que ce soit pas avec GNOME, quoi. Pas le même environnement de bureau. Donc là, forcément, ça va être super long à lancer parce qu'on bouge le disque en plus. Non, j'ai pas de LDAP. J'ai qu'un Active Directory. Par contre, il faudra que je change le DNS manuellement. Bon, le temps qu'on regarde ce problème de NFS juste après, qu'est-ce que je voulais vous montrer d'autre? Donc, on a vu faire le partage. On a vu les utilisateurs. Diagnostic système. Donc là, on a ça. Donc, on a vu par contre que le noyau 6.1, il crachait au reboot. Ouais, NFS, il est là. GVFS, il est là avec le support NFS. Donc ça doit fonctionner. Mais j'ai jamais testé, donc... Journaux système, on a quoi? Remarquez, on a peut-être des journaux sur NFS, non? Non. Distant. Journaux distant, c'est pour envoyer les logs sur un serveur syslog. On va voir si... Je vais voir si on peut rejoindre un domaine. Là, on a un top. Rapport, ça je suppose que c'est si on a besoin de faire du support chez Open Media Vault qui vont nous demander ce rapport là. Et dans statistiques, ok, donc on a des mini outils de supervision là dedans. Alors, on testera la connexion à l'annuaire en dernier au cas où on fasse quelque chose de mal. Ce que je voulais faire, c'était quand même revenir sur vos histoires de plugins extra, là.
Je vais activer les backports. Non! Le zéro, le réseau est géré par Netplan. Netplan, c'est le gestionnaire de réseau de Ubuntu. Avec sa configuration en YAML. Alors, c'est peut-être plus pour le... C'est peut-être plus pour l'automatisation. Je vais juste regarder où en est le déplacement du disque. C'est long. Et dès que le disque est déplacé, on refait les tests ensemble, hein, de copier les fichiers. Donc peut-être qu'avec les backports, on va avoir... Mais pour... Non, pour le NFS, t'as pas de user et de mot de passe. Y a rien dans backport. Attends, on vient voir dans les plugins. Je vais regarder. Je vais installer le plugin... Je vais installer le plugin... Vous avez eu le nom, là. Borg Backup. Je voudrais voir ce que ça donne. Je pense qu'à mon avis, ça installe sur le RAID. Ça doit installer un dépôt Borg, je pense, pour faire un backup à distance. Et donc là, j'imagine que... Service Borg Backup. Ok, donc il recharge l'interface une fois qu'on installe un plugin. Alors attends, on va aller installer le plugin. Compose là. Open Media Vault Compose. Remarque, il y a peut-être besoin de ce plugin là pour avoir le porteneur. On va regarder. On va installer ça. Je vais voir. C'est peut-être ça qui va. Je sais pas. Vu que je connais pas du tout. Hop, il me recharge l'interface. Il va voir. Service, compose. Paramètres. Docker. Donc là en plus il stocke les Docker dans l'hôte là. Pas sur notre RAID logiciel. Ah non, je peux mettre là. Ouais. J'enregistre pas. Hein. Files, je regarde juste ce que j'ai. Oui. Créer. Autocompose. Importer. Non, donc ça a peut-être disparu avec la dernière mise à jour. Hein. Docker files. Non, là c'est pour en créer. Conteneur. Ah, ok. Je vais regarder. Il faut peut-être installer ça. Attends, on va regarder. À moins que ce soit inclus dans l'offre commerciale, non? Bon. Tu vois, la mine, elle a même pas encore démarré. Le déplacement du disque, il me fait écrouler le Proxmox. Là. Il doit fumer le Proxmox. Attends, je vais regarder. Zabix, il me dit. Température CPU très élevée pour Proxmox. Load average is too high for Proxmox. Oh, il y a du rouge. Ah, PTN, c'est Portner, ok. Oui. Ah oui, t'es peut-être arrivé en cours de route, mais ouais, on a installé OMV Extra. Et ben, on va installer Portner à la main. On
Alors, attends, on va installer Portner. C'est vrai que Docker, c'est pas le genre de truc sur la page plugin. Ah, attends. On va éviter de se disperser. Installe le plugin OMV Extra. On l'a fait. Sur la page du plugin, sur la page web. On l'a fait comme ceci, avec ça. On a fait cette commande-là hein, pour installer les extras. C'est là que je me dis que, de toute façon, dès qu'il y a des plugins pour un logiciel, c'est toujours compliqué, quoi. Alors, ouais, comment on installe Portner? Je sais même pas. Je crois aussi qu'il faut mettre les extras dans la rubrique plugin sur la page web. T'as mis à jour ce matin et il n'y a plus. Bon bah écoute. Après c'est peut-être un bug, c'est peut-être une erreur connue de. Attends, je vais aller voir vite fait. Fix creation of package device. Normalement. On va regarder. Mai. Je sais pas. Je ne sais pas. Il n'y a plus via l'interface web, faudra faire un Docker. Bon, écoute. Je vais installer Portner. Hop. Je vais garder ça sous le coude. Alors en attendant, je vais juste regarder dans les extras ce qui m'intéresse dans les plugins, ce qui m'intéressait. Donc j'avais vu Borg Backup qui était intéressant. Clamav. Donc Compose, on l'a installé. CPU Temp. Voilà, on est sur une VM. Hein, donc. Open MediaVault Downloader. Plugin Download Files. Donc ça, j'ai installé. Ça peut être intéressant, le downloader. Peut-être que tu peux récupérer des choses intéressantes. Fallait prendre la version communautaire, j'ai la version entreprise. J'ai téléchargé, j'ai fait download et j'ai pris ça. Open MediaVault. Après, je sais pas, regarde. Copier l'adresse du lien. Moi, j'arrive ici. Et là, tu as 6.0.24, donc c'est ça. Et là, moi, j'ai qu'une seule ISO, quoi. J'ai pas de version stable ou entreprise ou. Ah! Pardon. Pour les extras? This command, ben, il m'a pas donné le choix là. Alors, read the guide. Install open video, follow this guide.
wget script. Donc ça, c'est ce que j'ai tapé. Download the script. Je sais pas où est-ce que tu vois. Tu peux mettre des liens hein, sur le chat. Si tu vois un lien. Si. Alors, attendez. On est vraiment en mode galère, là. Attendez, je retourne. Système OMV Extra. Ah, pardon, j'ai pris... Attendez, ouais. Oh là là, attendez. J'ai pris la version entreprise de Portner. Je ne suis plus rien. Ah oui, BE. BE pour Business Edition. Ok, attendez. CE. Excusez-moi. Alors, juste, il va falloir que je supprime. Alors, Docker, image, RM. Je sais plus comment on fait. C'est là que vous voyez que je n'utilise jamais Docker. Voilà. On reprend. C'est laborieux, hein, c'est laborieux tout ça. Ceux qui vont regarder, et franchement, ceux qui vont regarder le replay, ils vont être morts de rire. Alors, Portner est installé. Système OMV Extra, Portner, il n'est pas dedans. Tu vois, là, il n'y a rien. Là, il n'y a rien. Et dans les plugins, on a cherché donc Portner. Il n'y a pas de Portner dans les plugins. Dimanche, je faisais le malin là, sur Twitch chez Yves. Je lui disais non, mais pour les ACL, c'est facile. Tu tapes ça. Non, mais tu fais ton S7 efface ACL comme ça. C'est ça la bonne option. Et lui, il galérait. Bah, tu vois, on est dans le même truc. Hein. Mais dans l'autre sens. Oui, alors. Peut-être pour HTTPS, Portner. Si. Qu'est-ce qu'on a fait? 9443. HTTPS. Il est bien lancé. Oh non, me dis pas qu'il y a une histoire de port. HTTPS 2.9443. Alors attends, par contre, c'est peut-être ça qu'il faut faire. Réseau. Pare-feu. Règle. Input. Accept. Je peux ne rien mettre là. Je suis obligé de mettre ça. Je pense qu'il faut ouvrir le pare-feu. Hein. Okay. Destination 9443. Non. Attends. HTTPS.
8000 en HTTP, j'imagine. Et 9443 en, j'imagine, HTTPS, quoi. Ah, attendez, je le mets en 8000. Ah, merde. 192, 168, 21, 102, 2.80, 8000. Tu vois, c'est pas ouvert. Connexion refuse. Je regardais juste si le port est ouvert. Après, j'utilise pas les dockers, les porteneurs, les machins, les trucs, les bidules, les chouettes. Donc, forcément, RM le conteneur, essaye avec ce que je t'ai filé plus haut. Je l'ai supprimé le conteneur. Plus ça va, moi j'ai envie de faire de conteneurs, vous voyez, avec ce genre de conneries. Alors, attendez, on va regarder autre chose que des conteneurs. C'est le gars qui est complètement blasé de son truc là. Attendez, Dixstat. On va installer d'autres plugins. Celle-ci marche à 100% sur le port 9000. 9000. Oh, ça marche pas, mais ça marche pas, ces conteneurs. Oh, le Nils, il est là! Tu veux voir quoi dans la conf réseau? La conf réseau de la carte config en netplan. Il faut refaire la commande avec. Ah, copier. Ok. Docker PS. Donc, Docker stop. Docker stop ça. Ok. Docker RM. Ça. Ok. Copy. Paste. Copie-colle. Moi j'ai pris ça. Hein. D'accord. Je garde la commande comme ça. Ok, Docker PS. Ok. Ah bah voilà, ok. En HTTP. Alors. Ce qui est bien, c'est que on a fait des super certificats là. On a mis un super certificat qui va bien sur cet Open Media Vault. Et on se tape un porteneur non sécurisé. Ok. Et donc, c'est très bien. Donc, on a notre partenaire. Mais après, si tu veux faire des conteneurs, tu passes par ça, quoi. Ok. Ce que je voulais dire, c'est que bien que Open Media Vault permettent de faire des conteneurs, après, dans l'interface, tu peux pas les gérer, quoi. C'est ça que je voulais dire. Tu vois, là, on peut pas les...
peux pas les gérer, quoi. Ah, attends, je retourne dans mes petits plugins, là, je voulais... Oui, Portner, tu n'exposes pas, oui. Je pensais que ça allait être intégré quand même dans l'interface de d'Open Media Vault, c'est pour ça. Je m'attendais à ça, en tout cas. Tiens, regarde, fail to ban, installer. Oui. Je vais regarder ce qu'il propose avec fail to ban. Le déplacement du disque, il doit être bon là. Ouais, il a fini. Il a fini de déplacer le disque. Donc, ce qu'on va faire, on va faire deux trucs. La première chose, c'est on va recopier-coller notre VMDK en Samba pour voir ce que ça donne. Non, non, fail to ban, c'est le truc qui te bannit pour... C'est l'outil qui bannit à force de tester, soit de se connecter à des services et en se trompant, quoi. Donc là, tu vois, on est à 72 hémosecondes. Ouais, et puis ça descend après. Et si je le fais en NFS... Bon, attends, je vais supprimer. Hop. Je vais le faire en NFS. Oui. Ça roule A plus Alizox. Attendez, on va retourner dans le hop. Tu vois, le NFS, il a vraiment du mal là. Voilà, attends, on va le redémonter. Ah non, c'est bon. Allez. Je colle. Donc 77, j'ai dit en 77 hémosecondes en Samba et en NFS. On va attendre que le chiffre descende. Je pense que ça va même moins vite. Ça va encore moins vite. Bon, bah ça me fait mentir sur la dernière fois. Ce que j'ai dit. Bon, Samba semble être plus... Ça roule, Nils. Bye bye, merci d'être passé, même rapidos, hein. Ouais, on est à 40 hémosecondes, quoi. Ça va moins vite en NFS, quoi. Alors, vu qu'on parlait de notre NFS, je voulais juste tester avec la Linux Mint, là, voir si on peut se connecter en graphique avec NFS. Je voudrais tester. Parce que je suis quand même curieux de voir que... Que ça marche pas. Je pense que le... Je pense que le Proxmox, il est vraiment, vraiment, vraiment... HS. Wow. Ok. Alors. Vas-y. SMB. Alors, est-ce que je le vois dans le réseau, là? Open Media... Ah bah tiens, regarde. Open Media Vault Test.
Je mets plus gros. Ah ouais, on voit pas. Attendez, change la résolution d'écran, comme ça sera plus gros. Paramètres d'affichage. Un bon 1024 par 768, comme on aime bien. Donc là, le gestionnaire de fichiers, il voit à travers le réseau Open Media Vault, CIFS, test. Donc là, je vais me connecter. Ça marche. Et à travers le réseau, NFS, permission refusée. Donc on a le même message d'erreur. Hein. On a le même message d'erreur. Permission refusée. Cet hôte est peut-être interdit ou un port privilégié est nécessaire. Propriété, je sais pas où est-ce qu'il veut aller. Attends, voir, je vais essayer. NFS:/192.168.21. Donc on a dit c'était 102. 2./export test. L'accès a été refusé. Donc j'ai le même message d'erreur. C'est intéressant. Alors je vais essayer un truc. Je vais essayer un truc. On va essayer juste stockage. Je vais juste faire un autre dossier partagé. Test 2. Parce que c'est peut-être aussi parce que j'ai le même... avec Windows, je peux pas faire de NFS. Enfin, j'ai pas de client NFS par défaut dans Windows, je crois. Salut, Philippe. Attends, je vais essayer. Je vais essayer de faire un autre partage et qu'il n'y ait que lui. Tu vois, qu'il n'y ait que Test 2 qui soit en NFS. Des fois que le même... Je vois pas pourquoi, mais... Attends, je vais supprimer ça. Oui, je vais créer donc test 2. Client. Client allowed to mount. 192.168.21.0/24. Le réseau. Hein. Hop. Ah, ça marche, Philippe. Si tu fais une faute de frappe volontairement dans le nom, tu as le même message. Je crois qu'il dit not found. Salut Philippe de Twitch. On essaie de faire des choses, mais ça marche pas comme on veut trop. Alors, hop. Test 2. Ça... Ok. Donc, je reviens ici. Tu vois, là, il voit bien mon test 2 en plus, hein. Donc là, si je te mets test 2, il me met l'accès a été refusé. Hein. Donc ça veut dire que je dois bien pouvoir rentrer dedans. Si je mets n'importe quoi, alors peut-être pas du n'importe quoi comme ça. Là, il me dit, tu vois, l'accès a été refusé aussi. Si je m'arrête à export, il me dit l'accès a été refusé. Par contre, si je mets export, blablabla, il me dit que là, il ne le trouve pas. Alors, je vais essayer quelque chose. C'est absolument pas bien. Pourtant, au niveau des permissions, on est bien. Là, on peut rentrer dans Export. Là, j'ai pas trop l'explication. En graphique, j'ai pas l'explication. Pas grave. Pas grave. Je vais juste remettre mon affichage en 1920 par 1080.
Donc là, j'ai pas l'explication. Vous voyez à quoi elle sert la mint de temps en temps, vous voyez, elle sert pour ça. Alors pour le NFS en graphique, j'ai pas. J'ai, je sais pas. Alors j'ai installé juste quelques plugins là, File Browser. On va tester un truc. Je vais mettre mon certificat là. Je 3670. Je pense que le File Browser. Ça va faire un truc sympa. 3670. Je pense qu'on va pouvoir se balader. On va pouvoir se balader dans le partage avec un gestionnaire de fichiers graphiques, je pense. Trente-six soixante-dix. Tu vois, ça marche pas. À mon avis, je pense que il y a un pare-feu quand même qui est activé par défaut sur sur Open Media Vault. Il faut ouvrir les ports, hein, je pense. Je pense qu'il faut ouvrir le port. Je rentre, j'accepte. Source. Port source, destination, 3970, on a dit. 3670. On va essayer comme ça. Je sais pas. Ça sert pas à ça. Ça sert pas à ça. À quoi sert le module pare-feu? Je ne sais pas. Pas à ça, visiblement. Ouais. Bon, là, je suis vraiment. Oui. Heureusement que j'ai dit qu'on allait regarder les extras à la fin, parce que. Donc ça, je sais pas comment ça marche. Stockage, service. Donc File Browser. Non, dans Proxmox, il n'y a pas de filtrage sur Proxmox, sûr et certain. Alors Borg Backup, juste, je voulais regarder le. Vu qu'on a parlé de Borg Backup. Vous voyez, on peut créer à mon avis un. On peut créer un dépôt ici et se servir d'Open Media Vault pour balancer nos backups, Borg Backup avec des dépôts. C'est assez sympa. On va voir dépôt. Si je fais test, tout s'appelle test chez moi. Type. Local test distant remote pass. Non, je vais faire local. Je sais pas si ça sert à ça. Je peux le faire sans phrase de passe. Ah non, je suis obligé. Je suis obligé, je pense. Ouais, alors, bon, s'il fallait que je donne un avis comme ça, là, au bout de 2 heures et demie d'utilisation, je dirais quand même que pour les fonctions de base, c'est bien. Dès qu'on rajoute des plugins, c'est la merde. Compose, donc ça c'est le Docker Compose, on a vu.
Donc File Browser, on a vu qu'il y a un problème de port. Fail to ban, donc juste je voulais voir. Tu peux l'activer, ouais, donc c'est une interface graphique à ça. C'est une interface graphique à fail to ban qui va automatiquement, je pense, avoir des règles qui vont bien pour les différents modules. Je vois qu'on a un module on cloud. Ça veut dire que je suppose il y a peut-être un module on ou next cloud. On va y voir. OneDrive. OneDrive plugin. S3 plugin, intéressant. Mais on n'a pas OnCloud. Donc tu vois, ça a peut-être disparu OnCloud. Et Nextcloud. Tu vois, Nextcloud, il n'y est pas. Ou alors les extras, ils ont vraiment un problème, quoi. Viens voir, tiens, je vais rajouter le Clamav là. Donc j'imagine que installer le. Un magie. J'imagine que le Clamav, c'est quand tu déposes des fichiers, il va vérifier. S'il y a des. Ah, ok. D'accord, ouais, donc il faut vraiment. Si tu veux des services annexes, tu les fais via des dockers, quoi. Donc service antivirus. Attends, on va tester. Activer. Je vais juste regarder l'antivirus, comment il fonctionne. Analyse à l'accès. Activer test. Regardez, on va faire comme ça. On va aller récupérer le écart test. Écart.com. Ah. Copier. Donc, je vais créer un fichier là, en Samba. Je vais l'enregistrer. C'est base. Je vais l'appeler coucou. Je vais le mettre là. Hop. Donc mon fichier il est là. Ah mais oui, mais Adrien, il n'a pas validé le bandeau jaune. C'est pas grave, on va ouvrir le fichier, on va leur déplacer. On va le déplacer dans ce dossier-là. Par contre, ouais, le bandeau, là, faut vraiment s'y faire. Hein. C'est long, hein. Ok, je le déplace. Tac. Il est toujours là. Hein. Donc là, ouais, si j'y vais par l'accès, analyse à l'accès. À l'analyse à l'accès. Voir si je lance un scan.
Après, je sais pas où est-ce qu'on a le rapport. 22h46. Alors, on va le lancer à 48. Supprimer immédiatement. Vas-y, je planifie un scan. À 22h48, on va voir s'il va le supprimer. Ah, bah vous n'avez pas la permission d'ouvrir le fichier. Ah, bah il l'a peut-être supprimé alors. À voir. Cut. Ah, il l'a peut-être. Il a peut-être fait quelque chose dessus. À voir. Oh, il y a du bazar. DF, CD. LS. CD test. LS. Opération non permise. Donc là, il a dû verrouiller le fichier, je sais pas, il l'a bloqué ou je sais pas ce qu'il a fait. On va voir si à 22h48, il va le supprimer vu que dans le scan, j'ai dit supprimer. On va tester ça et après on va tester le downloader et puis après on va arrêter le stream. Ça aurait été bien laborieux, hein. Attends, je vais en profiter pour démonter tout de suite. Ça, sinon je vais oublier. Donc, hop, il est censé lancer le scan. Après, je sais pas où est-ce qu'on a les logs. Peut-être dans les notifications. Modification a été appliquée. Scan a été créé. Diagnostic. Rapport. Est-ce qu'on a des rapports là sur l'antivirus? Non. Statistiques. Journaux système. Journaux. Antivirus. Ah ouais, ok, c'est bon, on les a là, dans les journaux. Il a trouvé écart signature found. Ouais, il les a trouvés. Ouais, c'est tout à l'heure, il les a trouvés. Quand j'ai créé tout ça, il a fait des choses. Alors par contre, il laisse le fichier là, mais il... Est-ce que je peux le supprimer au moins? Je pense. Ah ouais, ok. Ouais, donc il doit. Salut Francis. Il doit verrouiller le fichier. Je sais pas ce qu'il en fait. Je sais pas ce qu'il en fait. D'accord. Et puis ce que je voulais faire, je voulais qu'on finisse avec le downloader, le YouTube DL quoi. Download type YouTube DL, je vais regarder. Nom du fichier, coucou. Je vais le mettre dans test. On peut sélectionner si on veut juste l'audio, la vidéo, tout. On va aller récupérer la vidéo magique. 4K, merde, page, slash 4K, ok, voilà, on va voir ce que ça donne. Alors, est-ce qu'il le télécharge tout de suite ou pas? Je ne sais pas. Start download. Yeah!
Donc avec OpenMedia Vault, on peut récupérer du contenu avec YouTube DL. On a une interface graphique à YouTube DL et ça télécharge automatiquement la vidéo sur le partage. C'est bien ça. Pour faire les tests presque en même temps que moi, car je monte un NAS, je fais les tests avec Proxmox et une VM TrueNAS. C'est plus réactif et fonctionnel comme serveur. Tu sais ce qu'on va faire? On va. Je crois que TrueNAS, on va le faire le premier mercredi du mois de juillet. Mais j'essaierai de travailler un peu le sujet avant, peut-être. Je vais regarder quand c'est le premier mercredi du mois de juillet. En août, on fera rien. En août, on fera rien. En juillet, on va faire. Calendrier, agenda. Ça tombera le 5 juillet. Le 5 juillet, on fait Trounas, ça vous dit? Bon, là, à mon avis, il m'a pas fait du 4K. Je sais pas quelle qualité il m'a récupéré. Il m'a récupéré quoi? Copier. TMP, coller. Je vais regarder quelle qualité il m'a pris, mais. Je. Trunas faut beaucoup de RAM. Il m'a récupéré. Ah si, il m'a récupéré une bonne qualité, hein. Ouais. 1000, c'est quoi là, c'est quoi comme qualité ça? 1000, 3840 par 2160. C'est peut-être la 4K. 2160, ouais, c'est la 4K. Il m'a récupéré la 4K. Ouais. 8 Go. Ouah. Non. 8 Go, ça passe large. TrueNAS, je note TrueNAS. Après, la différence entre TrueNAS et OpenMedia Vault, bah, faudra voir quand on aura testé TrueNAS. Mais il me semble que j'en avais testé un autre. Il me semble que j'en avais testé un autre d'outils que j'avais trouvé vraiment sympa. C'était quoi le concurrent à OpenMedia Vault? Ah, bah, attendez, ça doit être dans mes notes de Vivaldi là. Note. Qu'est-ce que j'ai mis? Open Media Vault. Ah oui, distribution orientée. Voilà, je m'étais noté Open Media Vault, regardez Unraid OS. Voilà. Donc j'avais peut-être dû tester Unraid OS aussi. ZFS. Nidou, il avait fait un article sur TrueNAS. Sur le NUC, il y a 32 Go, hein, donc on peut éteindre quelques VM pour laisser de la place à TrueNAS s'il y a besoin. Si tu prépares avant, ce sera forcément mieux qu'au VM, qui est loin d'être un petit produit qu'on peut prendre en main sans doc ni préparation. Ouais. Après, moi, je m'attendais quand même. J'ai dû l'installer quand même vite fait, TrueNAS, mais il me semblait que c'était plus simple que ça, quoi. Bon, après, on a eu la galère de disque, donc voilà. Et puis, c'est vrai que les extensions, remarquez, même si j'avais regardé tout seul les extensions, là, je pense pas que j'aurais trouvé qu'il y avait OMV Extra. Déjà, tu as la vidéo de ZNFS.
tu as la vidéo de... La vidéo de quoi? OMV, Open Media Vote, est fait pour des personnes qui ne bidouillent pas trop. Bah, l'installe encore, ça peut aller, mais après, tu vois, quand tu dis qu'il bidouille pas trop, on a vu, on a fait la mise à jour avec l'interface graphique. D'ailleurs, il me trouve toujours des trucs là. On a vu qu'avec l'interface graphique, ça s'est complètement foiré, quoi. Et tout à l'heure, on a redémarré sur le noyau 6.1, puisqu'il nous a installé le noyau 6.1, mais le 6.1, il ne marche pas. On a eu un kernel panique au redémarrage, quoi. Donc, ouais. Je suis. Ouais. Bon, après, il faut dire que les NAS, moi, j'en utilise pas perso. C'est pas ZFS, c'est Unraid. 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 Attends, qu'est-ce que j'ai écrit? Unraid OS. Je l'ai écrit comme ça. Hein. Je m'attendais à ce que les Docker ils soient dedans. Ah non, si, je sais ce que j'ai testé qui était autre chose que ça. Il est juste au-dessus dans les distributions orientées. Eh ben, je ferai peut-être un stream sur le. Ce qui est écrit dans mes notes, dont je vous garderai la surprise. À la base, c'était une distrib tout en un. Unraid, c'est ça que j'avais comparé avec, avec Open Media Vault, mais je crois que. Je sais pas s'il y a une version gratuite. Je l'ai mis entre parenthèses. Je l'ai mis entre parenthèses, mais j'étais pas. Non, c'est pas ça. Non, je sais ce que j'ai testé. Je sais ce que j'ai testé qui était plus sympa à utiliser et qui avait peut-être des conteneurs. Je vais voir ce qu'on fera pour le mois de juillet. Je vais voir ce qu'on fera pour le mois de juillet. Soit TrueNAS, soit le sujet surprise. Donc je note TrueNAS. Je note TrueNAS. Bon, en tout cas, pour Open Media Vault, j'ai fait un peu le tour. Je crois que j'avais vu, histoire de le citer un petit coup, Open Media Vault sur, sur le blog de Cyril Born. Mais bien sûr, son blog, il s'appelle. Voilà, restez curieux. Je crois qu'il avait parlé d'Open Media Vault. Celle-là, je me suis dit, tiens, faudrait que j'essaie de tester. Voilà. Créer un NAS avec un vieil ordinateur et Open Media Vault. Je vais regarder ce qu'il avait dit. Installation. Je vais laisser le lien dans le descriptif de la vidéo. On va voir ce qu'il nous avait mis. Créer le dossier de partage. Créer un système de fichiers. Ajouter, dossier partagé, hériter des ACL, ok. Plugin, télécharger. Ah voilà, le support du DLNA n'est pas prévu à l'origine. OVM Extra. Donc tu vois, lui, il a installé aussi OVM Extra. Eh ben voilà, il y avait un plugin. Il y a un. Eh ben, ça se trouve, il y avait. Alors, je crois qu'on s'est peut-être cassé la tête. Il y avait un plugin qui permettait d'installer Extra direct. Attends, je vais regarder. Extra. Non. À mon avis, il y a des choses qui ont changé, je pense. Depuis Mini DLNA. Ça, ouais, voilà, tiens. Open Media Vault Extra. Or, ça se trouve, je pouvais l'installer comme ça. Merde, non, par contre, on voit rien là.
On pourrait peut-être installer comme ça, je sais pas. Article de Nidouille. Ah, alors attends. Mais ils ont fait exprès de retirer extra pour ton live. Lol. Ouais. Alors attends, accéder au site. Ah, mais je ne connais même pas son site à Nidouille. Attends, je vais mettre ça en favori. On va l'afficher. Distribution Nassan. Open Mediao. Orientation geek. Ah bah ouais. Unread, geek. Payant. Mais elle est bien cette page. Je vais la mettre aussi, tiens. Je vais la mettre aussi. Trunas. Viens voir qu'est-ce qu'on a pour un pro. Ouais, elle a pas mis débutant. Easiness. Tu vois, ce genre d'outil, Rockstore, ça doit plus exister, ça. Parce que basé sur CentOS avec BTRFS. Tiens, on va aller voir. Et ça. Cuse de mise à BTRFS NAS Storage. Parce qu'il n'y a plus de BTRFS dans. Il n'y a plus de BTRFS dans les Red Hat 8 et 9. Donc. Ça doit plus être basé là-dessus. Rockstore. On va aller voir sur quoi c'est basé. Alors, Distro Watch. Distro Watch. Rockstore. Basé sur OpenSUSE. Donc, tu vois, ça a changé. Je vous mets plus gros. TrueNAS. Et avant, c'était FreeNAS. Voilà. Ah, on va peut-être. Je sais pas. On testera peut-être EasyNAS. Basé sur OpenSUSE, OpenMediaVault. Oui, il est pas bien classé, hein, OpenMediaVault. Après, c'est peut-être parce qu'il n'y a pas beaucoup non plus de mise à jour. Ça, à mon avis, ça a l'air d'avoir un look payant. Viens voir juste TrueNAS. Ça ressemble à ça. Ah, ça a l'air sympa quand même. Alors c'est du BSD dessous, donc la ligne de commande serait pas forcément très bon, mais vous savez quoi? On va garder TrueNAS sous la main et EasyNAS basé sur OpenSUSE. Vous savez ce qu'on va faire? Je vais garder les deux. Je vais garder les deux sous la main. Je vais garder l'article de Nidouille. Et je verrai ce qu'on va faire en. Je verrai ce qu'on va faire en juillet. On en parlera peut-être bien. On pourra peut-être essayer TrueNAS. Je suis bien tenté de faire TrueNAS quand même. Je vais me renseigner. Attendez, je vais me renseigner sur TrueNAS. Regardez ce qu'on va faire. Hop. Get TrueNAS. Donc là, on a plein de TrueNAS. Hop, on va faire comparer les éditions. Donc j'imagine qu'il y en a un qui est payant. Free to use. Donc il y a le choix entre le core et le scale. On va regarder ce qu'on va tester. Non critical storage. Plugin only. Apps in Linux container. Docker or pods. Je crois que. Ah!
Si, attends, je vois Active Directory. On a oublié de faire un truc. Je vais garder TrueNAS sous la main. Alors attendez, ça faudra pas que je vous mette en lien. Hop. Ça je vous mettrai en lien. Ça je vais fermer. Juste un truc, on a dit qu'on connectait à un annuaire. On fera peut-être TrueNAS. Par contre, attends, on avait dit qu'on connectait à un annuaire. Je vais juste regarder comment on fait. Il y a un plugin, je pense. Peut-être. LDAP. Non. Qui c'est qui m'avait demandé comment on connectait ça à un annuaire? On aurait bien fait un test, là. Avant de se quitter. Utilisateur. Alors, attends, c'est peut-être dans système. Plugin, dateur. Je vois pas ce qu'on peut tirer d'un annuaire, mais... Il y a aussi Core et Scale. Scale a plus de fonctionnalités. Ouais, c'est ce qu'on a vu, là, en Scale. Réseau général proxy. Non, je vois pas où on peut non, ouais, je ne vois pas. Je ne vois pas où est-ce qu'on peut connecter un annuaire. Je vois même pas pourquoi faire, si ce n'est peut-être avoir les utilisateurs de l'annuaire. Juste, ce qu'on va faire avant de se quitter, je voulais tester quelque chose. Je vais désinstaller le noyau qui marche pas, le 6.1, là. dpkg-l. Linux image, je pense, s'appelle. Ouais. apt remove. Je vais juste enlever le. Ça, parce qu'on a un écran, on a un kernel panique avec. Je voudrais juste tester un truc. J'ai envie de m'amuser. Juste sur un point. Je teste le reboot. Juste avant de se quitter, je veux qu'on s'amuse avec quelque chose. Bon, attends, je vais réinitialiser comme ça. Vous allez voir avec quoi j'ai envie de jouer. On va attendre que ça démarre. Parce que là, on a créé un raid logiciel. Et si on a un disque qui tombe en panne, comment on répare le raid logiciel? C'est ça que j'ai envie de voir. Donc, là, c'est démarré. Admin, open media vote. Stockage, raid logiciel. Donc là, le raid logiciel est clean. Le raid est clean. Alors. Je ne me rappelle plus de la commande. Je vais aller la chercher. Connecter et déconnecter à chaud des disques. Donc. Hop. Regardez. On va faire tomber en panne un disque. Hop. Donc on va faire tomber en panne SDB. Boom. Donc là la machine ne voit plus DevSDB. Périphérique. Voilà. On a SDC, SDA, SDB a disparu. Donc là forcément le raid. Ok, clean dégradé. Donc le raid est dégradé.
Donc, ce que je vais faire, le SDB qui doit être celui-ci, je vais le détacher. Je vérifie juste que je ne fais pas de bêtises entre-temps. Et merci Philippe Lecoul pour le l'abonnement. Ah, alors là, tac, créer le logiciel, dégradé. Donc, disque. J'ai bien dev SDC. J'espère juste que j'ai pas débranché le mauvais. Ah, c'est simple, attendez. Cat etc. Non, proc. MD stat. Il voit SDA. Ah bah forcément, j'ai enlevé le mauvais disque. C'est bon ça. Alors attendez, on va. Ah, il m'a renuméroté les disques. Il m'a renuméroté les disques. Il m'a renuméroté le disque. Alors je vais le rattacher. Là on est en train de faire n'importe quoi. SDB est là. Alors attends. C'est là qu'on voit que je suis fatigué. Attendez, je reboot tout, je reboot tout, je reboot tout. Je fais n'importe quoi. Je fais n'importe quoi. Je sais même pas si ça va démarrer, vu juste ce que j'ai fait là. Enfin, si, ça va redémarrer, mais je suis pas sûr que le raid. Ouais. Alors, ATMIN. Open Media Vault. Stockage, raid logiciel. Donc là, je sais même pas dans quel état il est le truc. Pouah. Sais même pas si on va pouvoir faire quelque chose là. Périphérique. Bon, là, il y a tout ce qu'il faut. Donc là, Active Raid, GSDB. GSDB fdisk-l. SDB, SDC. Donc SDC, il le voit plus, hein. SDC, il le voit plus. Hop, attends, je vais déjà regarder si on a toujours notre partage là qui fonctionne. Oui, il fonctionne toujours, c'est pas mal. Je sais pas si. Je pense pas que Open Media Vault s'utilise en pro. Salut Kiro. Donc, attends, j'ai dit quoi? J'ai dit il voit SDB. Le système, il est installé sur quoi? Il est installé sur SDA, donc faut que je supprime SDC. Ok. Donc je supprime SDC. Ouais, c'est lequel SDC? Bonne question. Je détache celui-là, allez, j'ai une chance sur deux. Il me reste SDB. Et j'ai dit quoi? C'est bon. J'ai détaché le bon. J'ai détaché le bon. Il a détaché le bon! Non, non, on a bien commencé il y a 3 heures là. Mais du coup, tu vois, on fatigue tellement que. On fait n'importe quoi.
Alors, je rajoute un disque de 20 gigas. Qui va donc c'est celui-là que je viens d'ajouter. Je sais même. Je sais même plus ce que je fais. SDB, SDC. Je viens de rajouter un disque, je sais même pas. Je sais même pas lequel je viens de rajouter là. Je sais même pas lequel je viens de rajouter. Celui-là. Hein. Attends, détache. Ce qu'on va faire. On va le faire de 21 gigas, comme ça je sais lequel je vais rajouter. Tac, 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 tac. Tac. Add. Ce que je voudrais faire, c'est reconstituer le RAID. Dans le sens, on casse un disque et on réajoute le disque dans le RAID. C'est ça que je veux faire. Pour voir si c'est facile à faire. RAID logiciel clean dégradé. Donc maintenant, moi, je veux voir, est-ce que là, on peut... Qu'est-ce qu'on peut faire? Récupérer. Sélectionner un périphérique, dev SDC, voilà, enregistrer, je valide, oui, et je pense qu'il va me reconstituer le RAID. C'était laborieux, hein. Je pense que là, il est en train de me le reconstruire. Ouais, il est en train de me reconstruire le raid. Alors ceux-là, je vais les supprimer avant que j'oublie. Donc effectivement, si on a un disque qui est en panne, eh ben on peut changer, rajouter le disque et remettre dans le raid via l'interface graphique. Voilà, c'est ça que je voulais faire. Donc on va attendre. J'aurais. Vas-y, c'est bon. On va attendre qu'il reconstitue le raid. Et j'espère qu'il va nous mettre clean à la fin. C'est Coquidi, hashtag laborieux. Ouais. Une bonne idée en 2023 de faire un SFTP ouvert à l'extérieur. J'ai déjà fait et des IP essayant de rentrer. Je vois dans les logs sûrement des bots, mais enfin, ils s'atterrissent nulle part, je pense. Si tu as besoin d'un SFTP qui soit accessible depuis l'extérieur, si tu en as besoin, tu le fais. Après, si c'est dans ce cas-là, ce que je te conseille, c'est petit 1, de mettre des mots de passe costauds à défaut d'utiliser une clé privée. Clé publique, clé privée. Petit 2, changer le port 22, utiliser un autre port que le port 22. Et petit 3, soit dans le pare-feu du serveur SFTP, soit dans le pare-feu, peu importe le pare-feu, limiter les adresses IP qui peuvent se connecter au SFTP. Si c'est par exemple toi, juste toi qui es en France ou 2-3 personnes qui sont identifiées qui sont en France, n'autorise que les IP de France par exemple. Ça réduira au moins la surface quoi. Salut Bastien! Déjà, tu mets un serveur SSH sur Internet, tu laisses le port 22, tu es bombardé de logs. Tu mets autre part qu'au port 22, tu mets un autre port, déjà, tu n'as plus de logs. Et la seule personne qui voudra être malveillante, bah, elle va scanner les ports, certes, mais en tout cas, les bots, ils vont taper sur du port 22, quoi.
Donc si tu changes le port, tu seras déjà tranquille, quoi. Bon, j'aurais bien voulu attendre que le raid se reconstitue, mais je crois que je vais aller me coucher parce que vous voyez bien que plus ça va, plus ça galère, n'est-ce pas? Mais avant de se quitter, juste on va faire une petite conclusion sur cet Open Media Vault. Donc je vous mettrai les liens dans le descriptif de ça, 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 les extras. Et puis, l'article de Cyril, on va le mettre. Et puis l'article de Nidouille, on va le mettre. S'il fallait conclure sur Open Media Vault, bon, c'est pas facile à prendre en main. Je trouve. Après, c'est peut-être parce que j'ai pas l'habitude des NAS, des petits NAS Synology de monsieur et madame tout le monde. Après, si je comprends bien, si on veut installer Open Media Vault sur un PC, il faut au moins trois disques, un disque petit pour le système, deux disques pour les données pour avoir de la redondance, ou juste un disque mais on n'a pas de redondance du coup, donc c'est pas terrible. Et après, bon, on a vu que ça faisait le job, hein. On n'est pas allé finalement plus loin parce qu'on s'est bien cassé la tête avec les partages. Mais créer un partage avec les interfaces graphiques, ça marche. On l'a fait avec le Samba, là, donc créer le partage, créer l'utilisateur, créer... ça marche. Donc on peut pas dire que le produit fonctionne pas. Après, je trouve qu'il n'est pas très ergonomique. Même si je pense que si on prend le temps, si on prend le temps de l'utiliser, je pense que ça devient plus facile à l'usage. Il y a quelques plugins qui peuvent être sympas quand même, notamment bah, le downloader, là où on a récupéré une vidéo de la chaîne. Donc on peut récupérer des vidéos qui se stockent sur le NAS. NAS. Donc ça peut être sympa. Après, bon, c'est sûr que je voulais vous en faire une vidéo. On en a fait un live. La vidéo aurait été peut-être super longue, mais beaucoup plus structurée que ce live. Après, comme d'hab, moi qui ne vois pas forcément un intérêt, même pour un usage perso, à des NAS, c'est difficile de vous donner une bonne idée, un bon retour là-dessus, parce que je sais que les NAS Synology, il y a des petits outils que vous pouvez installer sur vos postes. Et puis il fait les synchros, il fait les sauvegardes sur le NAS. Vous êtes à l'extérieur, un Synology peut être connecté depuis Internet, et hop, vous êtes vous ailleurs, vous pouvez vous connecter sur le Synology, voir voir vos photos, vos documents, vos trucs comme ça. Ce que je pense, c'est plus compliqué avec Open Media Vault, puisque c'est un outil vraiment, c'est une distribution qui est là pour du NAS interne, mais après, si on veut de l'itinérance, c'est compliqué, je pense, de laisser ouvert dans la box le partage Samba, quoi. Vous voyez, pas terrible, quoi. Ouais, Neo29, on est toujours là. Donc ouais, vu que j'ai du mal ouais, à avoir une utilité d'un point de vue personnel pour du NAS, vous dire que Open Media Vault, waouh, c'est génial! C'est compliqué. Mais bon, vous avez vu l'outil en action, vous avez vu que ça marche, vous avez vu que j'ai bien galéré aussi. Salut à Fredoa qui arrive. Si tu regardes le replay, tu vas vraiment te marrer parce que alors vu comme j'ai galéré à présenter Open Media Vault, voilà. En fait, là on va se quitter. On va se quitter. J'ai envie de faire qu'une chose là. C'est arrêter le record et supprimer le replay pour pas qu'on le voit tellement c'était catastrophique ce live quand même. C'est pas. C'est vrai que quand je fais des vidéos, j'essaye d'être perfectionniste, mais là, vu la tronche du live, franchement, je suis pas content. Hein.
Bon, on a vu comment fonctionnait Open Media Vault, on a vu pas mal de trucs, hein, mais. Disons que le live, salut Emmanuel. Le live comme on l'a fait, quelqu'un qui voit le live comme ça, il se dit, mais. C'est quoi ce produit, quoi? C'est quoi ce Open Media Vault? Là, franchement, j'ai pas bien présenté le truc, quoi. Mais bon, c'est pas grave. On remettra ça, je pense, début juillet. Et je pense qu'on parlera de. On parlera de Trounas. Je vais voir si on parle de Trounas ou si on parle d'autres choses. J'avais une petite idée. Je vais garder ça dans mon navigateur. Les lives sont toujours réguliers. C'est toujours le premier mercredi du mois à 20h. Donc, le prochain, ce sera le 5 juillet. Mercredi 5 juillet à 20h. Mais bon. Ouais, découvrir un outil. C'est là que tu vois que. Je fais un peu de hors sujet, mais c'est là qu'on voit que quand moi j'ai envie de vous présenter quelque chose en vidéo ou autre, bah il me faut du temps pour étudier le sujet. Tu vois, si on prend. Si on va sur la chaîne. Mettre l'onglet en sourdine. Tu vois, quand je vous présente par exemple Alma Linux mise à niveau. Et bah ça, je suis obligé de faire un article, de faire le processus avant, d'étudier le truc, et après d'enregistrer la vidéo. Et pour une vidéo qui dure 15 minutes 23, bah moi, ça me prend des heures et des heures. Donc, quand je fais un truc pas préparé, bah ça se voit bien quand même. Ça se voit bien. Mais bon, c'est dingue, hein. Vous êtes encore là. Vous êtes 36 à 23h30 à regarder un Gus galérer avec ce qu'il est en train de présenter. C'est assez fun, quoi. Mais bon. Nextcloud, on l'a déjà fait. Le replay, il va rester. Hein. Le replay, il va rester. Nextcloud, on l'a déjà fait. On avait fait un live d'ailleurs sur Nextcloud. On était allé assez loin. On avait fait ça sur Debian, je crois, non? Ouais, on avait fait ça avec Debian. On avait fait ça avec Debian et on avait installé donc Nextcloud sur Debian et on était allé vraiment loin parce que on avait installé des plugins, on avait installé un plugin qui fait à peu près la même chose que d'avoir Deezer ou Spotify dans Nextcloud, le plugin qui permet de jouer de la musique. Et on avait même installé OnlyOffice directement. Et on avait fait de l'édition collaborative dans Nextcloud avec OnlyOffice. Donc on avait fait pas mal de trucs sur Nextcloud. Ça date un peu, il y a 3 ans. Il n'y a pas grand-chose qui a changé depuis. Hein. Après, un Nextcloud, j'en ai un à la maison, un hein, Nextcloud. Et puis on a trois instances Nextcloud au boulot et ça fonctionne vraiment très bien. Debian Hello World, salut! Debian 12 qui va sortir? Oui, alors Debian 12 va sortir. J'ai fait un petit article, enfin j'ai fait une petite bricole sur le blog linuxtricks.fr qui est prête à être publiée. Et puis on fera la petite vidéo qui va bien au moment voulu. On fera 2 vidéos sur Debian 12. Petite exclusivité, on fera la vidéo des nouveautés, des biens, etc. On fera la vidéo qui va bien. Et puis on fera une petite vidéo tuto pour montrer comment on migre de Debian 11 à Debian 12 avec les 2-3 petites subtilités qu'il y a dans certains cas. Voilà. C'est tout. Mais ce ne sera pas des vidéos extraordinaires, quoi. Les vidéos, elles sont faciles à faire pour moi. Trunas, ce sera Core FreeBSD ou Scale Debian. Je ne sais pas encore. Tu vois, ils sont les deux là. Ils sont les deux là. Donc, je pense que je vais télécharger les deux. Je vais regarder les deux. Je vais étudier un peu le truc pour faire quand même quelque chose qui marche en juillet. Hein. Et qui soit un peu plus structuré que ce qui était bordélique là aujourd'hui, quand même. J'aimerais bien pouvoir partager les dossiers de quelqu'un. À quelqu'un à au moins 30 mots secondes. Le SFTP, c'est pas ouf. Ça dépend.
Là, je pense que peu importe le protocole, c'est la connexion qui fait tout, quoi. Surtout le débit montant, quoi. Éviter le upload de PC à PC. Bah 800 mégas. Alors après, il faut voir. 800 mégas en montant. Si tu as 800 mégas en montant, bon. Mais Nextcloud, ça marche bien. Hein. Avant de faire tourner Linux, il fallait une petite machine. Maintenant, il faut une machine assez performante, je trouve. Ça dépend quelle distribution. Après, c'est comme tout. Linux, il évolue, il est un peu plus gourmand. Tu prends un noyau 2.6 et un noyau 6.1, bon, bah, ça consomme plus de ressources. Et puis, tu installes entre une Debian 7 de l'époque, ou 6 ou 7, et puis une Debian 12, oui, bah, ça consomme plus, parce que les binaires sont plus gros, parce qu'ils font plus de choses, parce qu'il y a des évolutions. Donc le Linux qui est catalogué pour vieux PC, je suis pas forcément d'accord quoi. Aujourd'hui, il y a beaucoup, tu vois, de distributions Linux qui abandonnent le 32 bits. Il y en a quelques-unes qui gardent le 32 bits. Je crois que Debian garde le 32 bits. Ubuntu n'en a plus, Fedora n'en a plus, les bases Red Hat, il n'y en a plus. OpenSUSE, il n'y en a plus. Arch Linux, il n'y en a plus. Donc après, voilà. Faut savoir évoluer aussi. Et même avec un vieux PC, dès que tu vas lancer un navigateur web, il n'y a plus rien qui va marcher, quoi. Parce que la machine sera vraiment trop à genoux, donc bon. Allez, on va pas tarder de se quitter. Je vais voir si je peux vous mettre. Est-ce que je peux vous mettre les. Attends, je vais regarder ce que tu nous proposes. En attendant, je vais rajouter dans le live les liens, là, hop. Lien, hop, Open Media Vault. On met la page Wikipédia. Ça m'évitera de le faire. Après, je vous mets les extras. Mais, vous voyez, vu que j'avais pas préparé le sujet, eh ben, j'avais pas vu qu'il y avait des extras. Hop, voilà, j'ai mis les liens. MX Linux à 32 bits, ouais. LMDE 5 à toujours 32 bits, ouais. Bah, tout ce qui va être globalement base Debian, quoi. Mabuntu aussi, ouais. En fait, tout ce qui est basé sur Debian, quoi. Ubuntu fait plus. Bah, Linux Mint basé sur Ubuntu fait plus. Donc, toutes les distributions basées sur Ubuntu ne font plus. Penses-tu faire un jour une vidéo sur un sujet en duo? S'il y a un sujet qui me plaît et que il y a une personne qui est dispo, bah pourquoi pas? J'aimerais voir la rediff. Ouais, bah. Tu auras la rediff, il y aura la rediff, pas de problème. Je regardais le tennis en même temps. Il dit, je regardais le tennis en même temps, moi aussi. Je regardais en même temps. Mais je regardais en même temps, mais franchement, enfin, je voyais juste surtout le score avancé plus qu'autre chose. J'ai pas regardé les échanges. Et ouais, je n'ai pas suivi, mais j'ai vu qu'il a fait en 4-7, quoi. Donc oui, le tuto en double, le tuto, enfin, pas en double, le sujet en duo. Ça dépend quel sujet, faut voir qui veut faire un duo avec moi. Et banco, hein, on a fait des C'est quoi qui dit avec Mageia à l'époque, on a fait un C'est quoi qui dit en duo avec Mageia, on a fait un C'est quoi qui dit en duo avec Renault de Fedora, et je crois que c'est tout. Mageia, on avait fait avec Akien. Je voulais faire une vidéo,
Je voulais faire une vidéo sur une distribution Linux avec quelqu'un, mais ça va pas se faire. Hop. Un P4, c'est cool d'avoir un M2. Ouais, je sais pas si ça marche, mais je sais pas si ça marche bien. C'est pour cela que le NFS ne fonctionnait pas, lol. Non, c'est pas pour ça que le NFS fonctionnait pas. Mais... IPv6, on verra plus tard. Rusdesk. Ah oui, Serge, on a fait des trucs avec Serge, oui, c'est vrai. Et on a fait du Gentoo avec Serge aussi. Rusdesk, il est. Rusdesk. Vous voulez rigoler? J'ai posté le NeoFetch. La semaine dernière, je crois, sur Twitter, et j'ai quelqu'un qui m'a dit sur Twitter, je sais plus qui c'est, m'a dit: Ah, oh, t'as 6 paquets RPM sur ta Gentoo. Et ben, parmi les paquets RPM, je crois qu'il y a Rusdesk. Voilà, il y a Rusdesk. J'ai installé Rusdesk le 5 juin 2022. Ben, ça fait un an. Il y a fait un an, j'ai entendu parler de Rusdesk, j'ai installé le RPM, j'ai dit, oh, faudra que je fasse une vidéo. Ben, vous l'attendez toujours, la vidéo. Hein. Voilà. Donc, non, ouais, il y a des sujets de vidéo qui sont là, qui sont prêts depuis longtemps, puis, enfin, il y a des idées de vidéos qui sont prêtes, mais comment les faire? Et là, Rusdesk, typiquement, ce qui est intéressant, c'est de montrer avec un. Ailleurs, quoi. Donc. J'ai installé ça le 5 juin, mais voilà. Je vais juste remonter parce qu'il y a Fabien qui m'avait posé une question sur ce quoi je bossais. Je suis administrateur système dans la vie professionnelle, spécialisé dans les systèmes Linux, évidemment. Red Hat, pour pas citer la distribution en question. Et en plus, je m'occupe de la messagerie et base de données, MariaDB et PostgreSQL exclusivement. Et je suis en train de monter en compétence un peu sur de l'Oracle. Youpi! Donc voilà ce que je fais dans le boulot, et en plus je suis formateur dans une école d'ingé et un centre de formation pour de l'administration système Linux. Voilà. Il est possible de compiler le noyau pour l'optimiser sur les atomes. Moi je kiffe double écran collaboratif Android. Bon, bah ça va, si t'as fait les mêmes erreurs avec Open Media Boat, ça me rassure. Après, voilà, on l'a vu, Open Media Boat, c'est bien. Pour du partage de fichiers, c'est bien. Dès qu'on commence à jouer avec les plugins, ça se complique. Et après, je dirais même que. On a une Debian là-dessous, donc on peut faire tout ce qu'on veut, tout ce qu'on pourrait faire avec une Debian, quoi. Donc certes, installer Docker, faire des conteneurs, des choses en plus. Après, bon, c'est une Debian en dessous, donc on fait ce qu'on veut. Je devais faire une vidéo sur l'organisation de l'Active Directory. Ouais. Elle est dans les trucs à faire. Le plan est presque fini d'ailleurs pour ça. J'aurais bien pris. Pour Rusdesk, tu voulais savoir? Je vais remettre au-dessus de la pile Rusdesk. Je vais remettre au-dessus de la pile Rusdesk. Bon, on va se quitter. Parce que là, on va peut-être pas attendre encore 12 minutes que le raid il soit effectivement bien reconstitué. Je pense qu'il est bien reconstitué.
Faire une vidéo sur un serveur de messagerie. Alors, si je fais un. Franchement, si je fais une vidéo sur un serveur de messagerie, on fera pas du pose fixe, du machin, du truc à la main. On prendra une solution open source de messagerie. Mais après, c'est toujours pareil. J'ai pas la possibilité de vous montrer des trucs super intéressants. Parce que, certes, je peux vous montrer un produit de messagerie libre. Y a pas de problème. Qui s'installe sur serveur, il n'y a pas de problème. Le seul truc qui va poser souci, c'est qu'on pourra s'envoyer des mails en interne, c'est tout. Mais je ne peux pas vous ouvrir la messagerie sur l'extérieur. J'ai pas ce qu'il faut en infrastructure ici. Je peux pas, avec le nom de domaine linuxtrix.fr, j'ai déjà de la messagerie qui est configurée. Donc je peux pas faire, je peux pas héberger un serveur de messagerie, tu vois. Puis par exemple, vous montrer une fois que c'est installé, bah tiens, je vais envoyer à machin à gmail.com, vous montrer que ça marche. Je peux pas aller plus loin, je vais être bloqué par la technique à un moment donné. On pourra installer un serveur de messagerie, s'envoyer des mails entre personnes, mais on pourra pas aller plus loin, quoi. Donc si c'est pour vous montrer des produits libres de messagerie, il n'y a pas de souci. Mais après, si je peux pas montrer plus loin pour envoyer des mails à l'extérieur, enfin, tu vois, je trouve que l'intérêt il est compliqué, quoi. Je trouve que l'intérêt est compliqué. Bon, après, il y a deux solutions de messagerie, hein, que j'ai dans la tête, qui sont open source et très complètes, dont une que je connais très bien, une autre que je connais un peu moins bien, enfin, que je connais de nom, mais j'ai pas encore essayé. C'est dans les tuyaux, hein, de monter la plateforme. Et après, il faut vraiment un serveur qui soit assez costaud, quoi. Il faut au moins 16 Go de RAM pour faire tourner le bousin. Mais la messagerie, j'aimerais bien en parler, quoi. J'aimerais bien en parler un jour, mais. Mais c'est compliqué de montrer tout et des choses intéressantes, quoi. Sur le sujet. Sur ce, on va se quitter parce que finalement, on aura fait 4 heures de live, quoi. Donc à chaque fois, je me dis, on va faire un petit peu, puis. 4 heures, quoi. Bon, en tout cas, cet Open Media Vault, c'était pas une réussite, hein, je l'avoue, ce live, mais bon, j'espère que ça vous a quand même plu. J'espère que ça vous a plu. Dans les prochaines vidéos, on parlera de. Ah, bah tiens, LDV First, il est resté tout le live. Et ben, à la prochaine, bzzz. Prochaine vidéo, on parlera de Debian. J'ai d'autres sujets sur le plat. On fera une petite bricole avec SSH dans pas longtemps. Petite bricole assez sympathique avec SSH qui pourra intéresser certaines personnes. Et puis voilà. Et puis bah, celles et ceux qui ont regardé le replay, j'espère que c'était pas trop pénible parce que franchement, même moi, je regarderai pas mon propre replay vu à mon avis la qualité du truc. Mais enfin bon. Je le laisse hein, pour celles et ceux qui ont loupé, qui veulent voir la suite. Je vous ai mis tous les liens dans le truc, hein. Je vous ai mis tous les liens dans le live. Je vais vérifier qu'ils sont bien là. Mais normalement, ils sont là. Hein. Ils ont dû s'ajouter dynamiquement. Je les ai fait là. Ouais, ok, c'est bon. Ils sont là. Nickel. Donc vous avez les liens. Vous avez tout ce qu'il faut. Et donc, bien sûr, ça, je vais garder. Je vais garder le lien de Nidouille. Tac, voilà. J'espère que ça vous a plu. Et je vous dis donc rendez-vous au premier mercredi du mois de juillet. Et on parlera donc probablement de Trounas. Je vais regarder ce qu'on peut faire pour vous faire ça bien. Et de parler de correctement, d'avoir un fil directeur et que ça marche bien. Et puis voilà. Allez, je vous laisse et je vous dis ciao ciao. Bye bye.